Re, mesdames et messieurs, hop, on est parti pour la suite de ce stream. C'est bon, un stream en moult épisodes, décidément, ça a été un gros stream, c'est cool, ça fait plein de petits chapitres en une journée, l'impression d'avoir fait plein de streams en même temps. Mesdames et messieurs, troisième partie de ce stream aujourd'hui, nous allons donc découvrir Nightingale, qui est un jeu dont j'avais vu déjà des trailers il y a un bon moment, et ils avaient un peu fait parler d'eux. C'était des trailers qui laissaient entrevoir un monde fantastique dans une époque un petit peu atypique par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, et avec une DA très sympa, et du coup, je suis très curieux d'essayer ça. J'ai pas du tout essayé, je suis vraiment en découverte, mais à l'aveugle, full. J'ai pas regardé de gameplay, j'ai rien regardé du tout, donc là, je vais complètement découvrir ça solo. Enfin, solo, non, je serai avec Juice, en duo, mais voilà, ne me spoilez pas, je sais pas du tout à quoi ressemble le jeu, pas de backseat, j'ai vraiment envie de découvrir le truc par moi-même. Donc ce sera un stream sponsorisé puisque Inflection Games m'ont contacté pour faire un stream sponsorisé sur Nightingale. Donc merci à Inflection Games vraiment de sponsoriser ce live. Si vous voulez vous procurer Nightingale, il est disponible sur PC et il est disponible via Steam ou Epic pour 30 euros à peu près, 28,99€, et il est possible de jouer jusqu'à 6 en coop à ce jeu. Donc voilà, normalement il y a des Twitch drops aussi qui sont activés sur ma chaîne, et voilà, écoutez, on va essayer ça tout de suite. Je crois que pour les drops, il y a un parapluie à gagner en termes de stuff. Il y a une tenue pour homme au bout de 4 heures, au bout de 6 heures une tenue pour femme, et au bout de 8 heures vous avez un petit chiot, voilà, par rapport au nombre d'heures que vous regardez. Je vais peut-être rajouter qu'il y a les drops dans mon titre de stream. Est-ce que vous avez les drops? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne? Hop. Je vais mettre drops. Hop. Confirmez-moi si vous voyez les drops. Oui, il y a le message. Excellent. Excellent. Bah voilà. Écoutez, vous avez mon lien en tout cas dans le chat qui passe. Vous avez le panel Twitch aussi juste sous le player. Si vous ne le voyez pas, je vous encourage à faire un petit F5. Parce que tout à l'heure, si vous êtes là depuis le début du stream, peut-être qu'il n'apparaît pas. Mais un petit F5 et vous verrez ça. Donc voilà. Voilà. Alpha vit avec un tigre. Comment ça? Ah, c'est moi qui viens de me gratter. C'est moi qui viens de me gratter. J'avoue que je me suis fait une grosse marque. du coup, on va rejoindre Juice en vocal et puis let's go. Je l'ai appelé. Est-ce qu'il est crossplay Epic et Steam? Très bonne question. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Faut acheter le jeu pour obtenir les drops apparemment. Ah ouais? Après, faut peut-être connecter tes comptes. Je sais pas comment ça fonctionne. Mais en tout cas, si vous avez vu la marche à suivre, voilà, c'est dispo. Bonjour Alpha, tu vas bien? Désolé, on t'a posé la question. Pour le DLC Elden, tu vas refaire une new run ou continuer celle que j'avais? Je vais continuer celle que j'avais. Je vais reprendre mon personnage originel. Voilà. Hop. Bon, on va lancer le jeu. On est parti. Oh mec, re. Coucou, re. Ah là là, les pauvres, on les a laissés. Je suis en train de créer mon personnage. Comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. Ça va très bien. Ça fait longtemps, mec. Comment tu vas? Bah ouais, bah écoute, ça va, tranquille. J'étais en vacances, là. Ah ouais? Ouais, ok. Et je viens tout juste de rentrer, là. Je dors à l'instant. Ah ok. Oh, putain de merde. Incroyable. Pardon, excuse-moi. Quoi? Non, je fais de la cosmétique sur le perso, là. Ah, nice. Il m'est arrivé une dinguerie. Ok. Non, mais je suis plutôt normal, tranquille. Hop. Ok. Oh mon dieu. Allez, on est parti. Je suis trop curieux. Mec, j'ai rien regardé. Je suis vraiment hype de découvrir le truc à l'aveugle. Bah, je peux te dire que j'avais rien vu de tel pareil, donc on va voir ce que ça donne. T'as l'air d'avoir vu une dinguerie. Y a un mode arachnophobia. Caméra shake. Oh, le FOV, on va le mettre à 103. Oh putain. Third person FOV. On va le mettre à 80. Ça me plaît comme ça, ça me plaît. En mode pro, on est en ultra quality, magnifique. Mais par contre, la folie, hein. Nouveau profil. Oh. Ah, ils ont... ok, je vois à peu près le style, en termes des visages et tout. Ils ont une gueule, les persos. Welcome to Nightingale. Bah attends, je me mute et je te retrouve. Vas-y, t'inquiète, vas-y. Ouais. Tranquille, ouais. Welcome to Nightingale. Begin by selecting basics and choose your body type and default appearance within the archetypes available. Appearance options cannot be changed after finalizing for now. No, we plan to add support for this in the future. Ok. Basique.
Body type. Ok, ok. Ok. Tu peux mettre en FR si tu veux. Ah. Non, non. Back, 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 back. Bon, c'est pas grave. Je verrai pour après. Non, attends. Comment est-ce que je choisis mon A, body B? Ah, ok, ok, très bien. Voilà. T'as, les persos ont vraiment des looks... presque burtonesque, je sais pas. C'est très... très exagéré. Ils ont vraiment une patte, ils sont vraiment partis sur autre chose que... le standard réaliste. Ah. Oh là, le pif. Ah, ils ont de ces gueules, ça me fume. Oh, les tronches. Ça fait presque guignol de l'info pour ça. Oh, celui-là, il est... Oh, celui-là, il est pas mal. Celui-là, il a un de ses tarins, mon gars. C'est vraiment, ils ont des têtes caricaturales, c'est marrant. Oh, celui-là, j'aime bien, celui-là, j'aime bien. Celui-là, j'aime bien, celui-là, j'aime bien. Il y a vraiment des... Oh, lui, putain, il me fait penser... ils me font presque penser au visage dans Baki. Lui, il a un petit air de... Comment il s'appelle, là, le mec, le pro du kung-fu, là. Qui se fait bouffer, là. Ah, je sais plus... il a un petit air avec les énormes pommettes, la bouche comme ça, là. Retsu, Retsu, c'est ça, c'est Retsu, tu le mets ultra musclé et t'as Retsu, c'est vraiment lui, c'est vraiment ça en fait, ça rappelle de fou des personnages de Baki. On peut faire Mr. Oliver, on peut faire des dingueries en personnage, je pense. Enfin, je vais revoir les visages. Il y en a, ils sont plutôt normaux, genre ils sont pas trop exagérés, mais il y en a d'autres, c'est une dinguerie, c'est trop drôle. Ah, celui-là, il me fume avec sa bouche toute plate, là. Parce qu'après, on peut aussi changer l'âge. D'accord. Attends, mais en vrai, Retsu, il me fait marrer, mais attends. Non, mais je crois que je vais partir sur... Ouais, je suis obligé de partir sur lui. Lui, c'est le charisme. Lui, Oh, c'est incroyable, l'âge. C'est fou comme ça tire les traits. Alors ça, c'est intéressant, parce que vous voyez, par exemple, dans Baldur's Gate 3, c'est un vrai problème, je trouve, l'âge des personnages. Parce que, genre, quand tu fais un vieux, dans Baldur's Gate 3, t'as pas l'impression que c'est un vieux. T'as l'impression que c'est un jeune qui est grimé en vieux. Alors que là, en fait, parce qu'ils apparaissent juste, on met des rides. Il y a juste des rides qui apparaissent. Et du coup... mais là, en fait, il y a les traits qui se tirent aussi. C'est vraiment bien foutu, hein. Et très bien lui. Voix. Ok, on va prendre la voix du gars. Ancestry. Story. Académique. Learned scholar, well versed in the physical sciences and humanities. Grand Libraries. Ok, donc je suis un savant. Oh. State person. Régent. Ouais, ok, un bourge. Un bourge qui dirige, quoi. Et qui est dans l'extravagance. Ok, très bien. Un marchand. Ok. Modeste, mais vie satisfaisante. Jack of all trades. Ermite. Excentrique. Qui préfère être à l'écart plutôt que dans les villes. Ok. Donc t'es l'ermite, ok, très bien. Officier. Military officer. Ok, donc un... Ok, donc là, un soldat. Never do well. Ah, un criminel. Often on the wrong side of the law.
Ok, donc criminel. C'est marrant, ça me rappelle D&D, les backgrounds. Vagrant. Destitute and relegated to the streets, or worse, to the workhouse. Your lot in life has been begging, scrounging, and long stints of torturous manual labor under the cruel watch of the Guardian. Ok, donc t'es pas un clodo, un esclave, c'est vagrant. Ok, vagrant, never do well. Donc criminel, officier, ermite, marchand, un bourge, un académique. On va être un bourge. On va être un bourge. On va être un bourge. Pour cette fois, on va être un bourge. Nine Age. What? What the fuck? Mes parents. Mon père me ressemblait beaucoup. Inheritance. Ah, incroyable! Oh, c'est stylé. En vrai, oh, lui, c'était mon père. Et du coup... Ah ouais. C'est très cool, hein. Franchement. Attends, tu peux même customiser ça? Non, mais ça va super loin. Pourquoi ça va si loin? Ah, j'ai du mal à comprendre pourquoi ça va si loin. Ouais, c'était mes deux parents, ça. Ouah, mais attends, mais c'est un délire, comme tu veux, comme ça va super loin. Et Dithrine, il y a peut-être gameplay lié, je sais pas. Ok, mais du coup, faut choisir tous ses parents. C'est un délire. Great Grandparent 1. Mais on a plein de grands-parents. Et attends, ça veut dire que notre perso, il peut se faire défoncer à tout moment, là? Attends, mais oui, c'est le même. Faut que je sélectionne tout? C'est l'origine de la cuillère d'argent que ton perso a eu dans la bouche. Ah, c'est lié à mon ancestry? Oh, je sais pas. Bon, je prends des trucs un peu random pour ça, parce que bon... Voilà, on a beaucoup de mixité dans notre famille. Il y avait du beau monde. Inheritance. Pouf. Voilà, je suis produit de... Oh. Oh, il est... Ah, il est beau, hein. Eh, des générations d'évolution pour arriver à... au plus gros pif de cette génération. Il y a de la consanguinité, oui. Probablement. Customize your appearance, skin tone, eye color, makeup and more. Ok, skin. Skin tone. Oui, il est blanc comme un cul. J'arrive pas à comprendre ce que ça fait, ça. Ah oui, c'est trou. Redness. Oh, puis il est rougeau, évidemment. Scars. Ok, donc ça, c'est pas encore dispo. Tatouage, pareil. Il est bien. Hair. Hair color. Hair style. Alors moi, s'il y a trop de poils sur le caillou, ça va pas le faire. En vrai, chauve, c'est très bien. Les sourcils comme ça, là. Ah, j'aime bien. Ah, il est bien. Le moteur de création est très cool, hein, je trouve. Voilà, il est un peu vieux. Ah, facial hair. Oh oui, on peut trouver quelque chose de très très bien là. Oh oui.
petite moustache là. Bon. For the Empire. Summon the Elector Count. On est bien là. Alors, je pense qu'il y en a certains de mauvais goût qui vont évidemment prendre cette moustache. Alors, j'ai un problème avec... Des fois, elle clip un peu. Oh, cette... Oh, celle-là, elle est belle. Yes. Yes. Who calls? Oh, celle-là, elle est... Il est auguste. Il est auguste, mais du coup, il est... d'un coup, il est trop stylé. Alors, quand il a rien, il fait vraiment de la peine. Une petite moustache, moi j'ai une petite stache là. Celle-là elle est marrante. Oh les belles moustaches comme ça, elles sont vraiment marrantes. Oh oui, oui. Oui, on part sur celle-là. Hein. Un peu jaunâtre là, dégueulasse comme ça, c'est très bien. Et c'est. On peut, bon, là, on peut clairement pas dire... Oui, moi, je préfère tellement un outil de création de personnages comme ça, limité, en comparaison des outils de création de personnages, notamment de tous les MMO coréens, qui nous font des top modèles. Moi, je trouve ça trop chiant. Les créateurs de personnages où tous les visages sont beaux, parfaits, symétriques. Genre, j'ai beaucoup de mal avec ça. Je trouve que ça a zéro personnalité. Et on s'emmerde, quoi. Là, je trouve ça trop bien. C'est trop bien les créateurs de perso comme ça où tu peux vraiment faire... Parce qu'en fait, tu peux faire un perso stylé. Hein. Et puis tu peux faire... Il a une histoire, lui, tu vois. Lui, tu sais comment il est, tu vois, en le regardant. Tu sais comment il est, quoi. C'était un peu le problème. Alors non, BG3, je suis pas d'accord. BG3, certes, ils sont beaux, mais ils ont des visages humains. Ils ont pas ce côté top model dans BG3. Parce que ça se voit que c'est des vrais visages. Par contre, en effet, les BG3, c'est un peu limité... Et c'est dur de faire des vieux. C'est dur. Oui, c'est ça, la création de Black Desert, c'est tout lisse. On est d'accord. Ok. Bon, en vrai, on est bien là. On est pas mal, on est pas mal. Forehead. Oh putain de merde. Ouais. Donc en gros, ça c'est pour la largeur. Ça, c'est pour les... Je vais faire une grosse tête. Elle est incroyable. Oh le nose. Oh putain. Oh le pif, mon gars. Vous voyez faire le plus gros pif ever. Ah, attends, parce que là... Ça va être... Ah, et puis il avait évidemment un... Tu sais, on peut se poser sur son nez. Ah, quand il se mouche, par contre, ça évacue. Hein. Il a pas, lui, il fait pas d'apnée du sommeil. Hein. Il n'y a pas de problème. Lui, il respire bien. Il dort très bien. Très, très bien. Jawline. Oh, c'est bien ça. Quand ils ont pas de coups comme ça avec des gros pifs, j'adore. Putain, il est magnifique. C'est une dinguerie. J'aime trop. Ah déjà, sur les outils de création, on s'amuse beaucoup. Hein. Putain. Il a un petit double menton, là. Ah, il a du flow. Voilà. Hello, Mr. Potter. Je l'imagine parler comme ça, moi. Elle a une voix un petit peu comme ça. Bonjour, qu'est-ce que vous avez à montrer? High preset. Oh, il a des yeux parfaitement banals, marron. High color. Voilà.
Détail. Oh non, la Yavi, c'est tout, on va pas se faire chier. Eye shape. Oh putain. Ah ouais, un peu bas comme ça, c'est... Oh, c'est bien, là. Avec des petits yeux, là. Eye roundness. Putain. Ça me fume. Ah, il a des... C'est les sourcils, ça. Enfin, c'est les cils. Extension. Non, il a pas d'extension de cils, ça va aller. Mouth. Une petite bouche, là. Une petite bouche. Mouah. Oui, et puis, bonne petite joue. Teeth. Non, c'est bon. Bad makeup, step 3. Starting circumstances of your character. This will change and evolve your game with gameplay. C'est une expérience multijoueur qui évolue. You'll be able to tune and adjust the difficulty. Ok. Equipment and items will help you prepare for adventures. Ok. Ok. Mon cher Juice. Ouais, mec. Mr. Juice, my character is ready. My character is ready, but I think we have a tutorial to do. Ok. T'as pris quel starting loadout? Medium, hard ou... J'ai pris tout medium. Ouais, medium, je vais laisser. Hein. Heatful, refugee, en fait, unprepared. Je sais pas trop quoi faire. Extreme, t'es à poil en extreme. Extreme, ouais, oui, on est. Ah, mais t'en es là encore, toi. Tu sais qu'on a fini le jeu, nous. Ok. Mais non, mais moi j'ai fait un perso, mec, il est incroyable. Ah, mon Finalize. Perso, Finalize. Et... Il est en train de dire que notre perso est pas incroyable, le bon truc. Mais je sais pas, le tien peut-être qu'il sera aussi. Pourquoi tu réagis comme ça ? Non mais tranquille, il n'y a aucun problème. Mon perso, je le trouve stylé, voilà. Non. Ah mais c'est la dinguerie, c'est quoi ce truc là ? Hercule Poivreau. Qui se fout de la gueule mon perso là ? Ah, si tu te fous de la gueule de mon perso, je vais être très énervé, moi. Moi, je... Je me fous de la gueule de personne, là. Ah, bref. Ectolien Grotard, hein. Ce sera mon nom. Quoi ? Voilà. J'ai, mec. Je voulais faire un truc RP, mais j'ai pas trouvé, ça m'énervait. Du coup, je vais écrire Juice. Attends, j'ai une cinématique. Born of curiosity. We open the first gateway to our endless Feywilds. The Fey have long since aided man in harnessing that which we live and breathe. Magic. Tolerance was known until your grasp extended reach. Greed. In the face of power, saw your world caught in ruin. And out flowed the pale, swallowing all in its path. Some fled its ever-spreading tongue, seeking refuge in Nightingale. Only to be severed from assistance as the pathway between realms collapsed. But perhaps not all is lost. For Nightingale still stands, pushing forward towards progress and enlightenment, humanity's final beacon. Your path thither is winding and full of terror's nascent realmwalker. Wilt thou succumb to Fey lands beyond thy wit? Or wilt thou endure, find the way homeward and rebuild anew?
Oh, la chaleur. Ok. Ok, on est mis à terre, on a un damage bonus. Unknown Realm. Ok, continue. J'aime bien la voix du narrateur, ouais. Qu'est-ce qu'il reste ? Ectolien. Let my words steer your steps. Oh là. Joli. Ok. Ah, je vois mes mains. On peut pas aller par là, évidemment. Le jeu a l'air très joli, en tout cas. Alors, vous m'avez dit, on peut changer le... la langue ? Ah, ça doit être en rebootant le jeu, en vrai, un peu flemme. How now, fleshling? Whither wander you, lost in our Feywilds? On voit pas le nez à la première personne, j'avoue que c'est dommage. Par contre, on sent très bien tout ce qui est autour de nous. Dans interface? Ah oui. Merci. Parfait. Show haste, human. Ouah, c'est vraiment beau, hein, par contre, hein. Quickly, before those bound fiends sniff out your despair. Parlez avec Puck. Shadows abound, yet like a fire's final embers, you refuse to be snuffed out. I come with an offer to guide you to a safer realm and rebuke death, unlike so many of your kin. Take these bloodstained cards, play them, and let amiable bond be drawn between Fey and Fleshling. Okay. Give me your hands, that we may be friends, and I shall restore amends. Omosit inkunul ome. Elle est incroyable, la voix du... de Puck. Hurry yonder, toward portal and apparatus, so you, bare child of Earth, might abscond this nightmare. Travel to the forest byway swiftly. Across the divide, a greater gift awaits. Partnerships with we Fey afford many wonders yet unseen. I don't feel so good. Ok. Et carte du monde. Carte de biome. Carte de la forêt. Jouez cette carte pour trouver un monde boisé luxuriant. Le premier monde découvert était une forêt luxuriante, ce qui induisit les chevaliers de la Croix-Rouge en erreur. Ils pensèrent que les terres sauvages des fées étaient comparables à certaines régions de la Terre. Combien ils avaient tort. Carte de la traverse. Jouez cette carte pour trouver un petit monde éphémère. Il existe de petites zones sauvages servant d'accès entre des mondes plus vastes, comme des passages secrets entre deux clairières. Ce sont les fées qui ont appris aux chevaliers de la Croix-Rouge que cela s'appelait les mondes de traverse. Ok, donc selon les cartes que tu trouves, tu génères des mondes différents. Fly, Realmwalker. The fiends have caught your despairing stench. Oula. Oula. Pour le moment, le début est très bien. Ça me paraît très, très solide. Sens obtenu gagne en qualité à mesure que le pouvoir de monde augmente. Et là, d'avoir un vrai, une vraie concentration d'efforts sur, sur le monde dans lequel t'es, les biomes que tu crées et tout. Ouais, les cartes influent sur le côté procédural, c'est intéressant. Donc voilà. Donc là, j'ai ça. Continue l'aventure. Waouh.
Wow, c'est vraiment beau par contre. Hein. Wow. Count thyself among the fortunate few who manage to flee the pale's noxious proliferation. Nightingale still stands, but earth teeters on the brink, and these wilds are far from hospitable. Sequestered so and struck by woe begs the question. The gift I promised should aid thy cause. Guide des hermétiques et une montre à gousset. And pocket watch. Purloined with the man-made network sundered. Entrust me to find the trail forward through these byway realms. In the interim, I hear your stomach snarling. Take reprieve from misery and gorge yourself with a feast fit for a fleshling. Preserve yourself and I shall return. Oh, under this mask, you wonder, I am Puck. Robin to some, Oberon's merry wanderer of the night, the last furtive fae to grace your kind. Okay. Okay. Y a un gros souci du détail en tout cas. Hein. Ah, c'est trop joli. Hein. Par contre, le jeu est magnifique. Wow, c'est super beau. Ouais. Vache, c'est magnifique. Hein. Je pensais pas que le jeu était aussi beau. Rien que juste explorer le monde donne envie de fou là. Bonjour le cerf. Ah, des baies. Jeu de main secondaire. Vous pouvez tenir de petits objets comme de la nourriture ou une torche dans votre main secondaire. Appuyez sur F pour utiliser l'objet de votre main secondaire. Ok. Miam miam miam. Ramassez ce que vous pouvez dans l'environnement pour faire un feu de camp. Est-ce qu'on peut se rejoindre avec Juice déjà maintenant? Quand on commençait des pierres. Ok, il faut une... Faut finir le tuto, d'accord. Faut que je trouve d'autres baies fraîches. Des belles, hein. Encore des baies. J'arrive à trouver d'autres... d'autres cailloux. Ah, voilà, des pierres. Il m'en faut encore un peu. Faites un feu de camp. Vous apprendrez de nouveaux plans que vous pourrez utiliser pour placer et construire des bâtiments et fabriquer des objets. Ouvrez votre... Mia. Oh, qu'est-ce que je suis BG. Guide. Cuisine. Baie grillée. Construction. Base et réparation. Feu de camp. Placer. Oh, je vais me mettre sur la plage, moi. Là, là. Structures comme le feu de camp peuvent servir à cuisiner, raffiner ou à fabriquer des objets. Les établis et autres stations de travail de Nightingale ont de multiples points d'interrogation, d'interaction. Interagissez avec le foyer du feu pour gérer le combustible et la flamme. Pour avoir allumé, interagissez avec la marmite du feu pour commencer à cuisiner. Sélectionnez une recette et des ingrédients. Ok. Combustible, ah, j'ai de la fibre, je débranche aussi, donc ça va l'allumer pendant 7 minutes 30. Ok, c'est carré. Là on va faire des baies grillées, baies fraîches. Voilà.
c'est joli. C'est super joli par contre. Hein. Attends. Ça y est ? Parce que là j'ai baie grillée, baie fraîche. Manger les baies grillées. Ah. Ah. You've avoided embarrassment by staving off starvation. From the lingering scent, your meal was no summer court banquet, but at least you persist. We must carry forth whilst this byway is aligned with another, one which should get us closer to necessities we'll both require. The portal stands nearby. Delay not, for the withering sands await. Sable brûlant. Localisez le portail et aventurez-vous dans la traverse de désert. Bon, par contre, l'eau, genre vraiment. On peut aller sous l'eau? Je crois pas. Par contre, il y a sa stamina qui tombe. Ça me rappelle Sea of Thieves, la simulation de l'eau. Elle est vraiment magnifique. J'aime trop le ciel, il est magnifique. Carte du désert. Ouais, le monde de désert aride. Les joueurs arcanistes d'autrefois fréquentaient les déserts, appréciant les jeux de lumière. Le soleil sur le sable qui donne l'illusion d'un endroit infini. Un endroit depuis longtemps abandonné par les fées, mais dont il reste des vestiges. Fin de traverse. Ok. Mettez-vous à l'abri quand il y a un orage. Ok. Donc là, on passe dans un nouveau biome. C'est Stargate, ouais. J'aime beaucoup, en tout cas, je trouve que le jeu est hyper charmant. Hein. Pour le moment, j'aime vraiment beaucoup. Oh, wow. Summer runs through my being as blood runs through yours. Yet I've seen that dew men call sweat flow like rivers in our deserts. This heat devours spirit and life alike. How be it? Enduring the elements is part of the realm walker's folly. Pleasure sought through vanquishing hostility. Whether this pleases or not, without shelter and the means to defend it, you'll not last long. Best to test your nesting prowess and avoid exhaustion while I scour for the next byway. Ok. Tipi. Il me faut des branches. Il y a des trucs qui volent. Ok. Pourquoi pas. J'en suis où là, les branches? Il m'en faut 12. Avec 4. Ah, c'est bien fait. Quand t'es dans l'ombre, ça baisse la chaleur. Cool ça, comme détail. C'est quoi la touche pour la troisième personne, Jad? Après, il y avait écrit que c'était expérimental, donc... Bizarre l'arbre. F5? Ah oui. Il a très 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 chaud, notre cher...
Ectolien gros tarin. Ectolien gros tarin est pas en forme là. Ok. Faire un tipi. Hein ? C'est quoi ces trucs là ? Y'a des lampes à huile volante là. Ça m'a pas l'air d'être des trucs amicaux. Se mettre là, là, à l'abri là. Hop là. Protège des mondes errants, certains facteurs environnementaux tels que la chaleur, la pluie et la grêle. Ah, faut faire un tapis de couchage maintenant. Et il faut des branches encore. Oh, piece of candy. Oh, piece of candy. Faire un petit tapis de couchage. Corrélation entre repos et endurance. Si votre jauge de repos diminue trop, vous commencerez à perdre de l'endurance maximale et vous succomberez si elle atteint 0. Les bonus de repos augmentent en fonction du niveau de confort de votre lit. Les commodités telles que l'éclairage, le chauffage et le mobilier augmentent le niveau de confort. Ouais, classique. Faut un certain niveau de confort pour se reposer. Ok. Ok. Repos long, je peux pas. Ah, repos court. Utilisez les recettes de votre guide pour fabriquer des outils utiles. Ok, couteau de chasse. On va faire un couteau de chasse déjà là. Putain, mais il y a des cris là, c'est pas ce que c'est, hein. Ça fait peur un peu. J'en ai combien des fibres ? J'en ai que 4. Ok. T'as mon perso, bah vraiment. Oui, connard. J'aime beaucoup le design de mon perso. Il a un sacré flow. Je trouve pas de fibre végétale là, c'est relou. Non, c'est des fleurs ça. Branche. Ah, non. Toujours pas de fibres. Bordel, mais c'est où les fibres ? Il y en a pas des fibres ici en fait. Merde alors. Re mec. Re bro. Je suis dans le désert là, je trouve pas de fibres. Les plantes ? Ah, je récupère des plantes, mais elles ont pas de fibres végétales. Fibres végétales ? T'as pas genre ramassé plein de trucs juste avant ? Bah, j'ai pas passé trop de temps dans le premier monde. Ah, moi j'ai vraiment ramassé plein de trucs, mais bah je sais pas parce que du coup j'avais tout ce que j'avais. Enfin, j'avais une ouais, j'avais tout ce que j'avais. Putain. T'as fini le tuto déjà ? Il est bloqué. Non, je suis après du coup. Voilà. Je t'attends. Enfin, je t'attends. Non, mais je suis après le désert. Voilà. Je t'en dis pas plus. Hop. Moi, c'est pas la grande forme. Hein. Je crois que je vais mourir là. Mm-hmm. On ira au tuto là. Ah, c'est ça, non ? Ok, Mike. Je trouve vraiment tous. Ah, fibre végétale, si j'en ai trouvé. OMG, t'as réussi ? OMG. C'est trop bon. Ah, c'est bon. Oh. Fallait juste que je mange. Ça, c'est des œillets. Ah, c'est bon, je crois que j'ai trouvé. Oh, il y a une oasis. Ça va ? Il est beau le jeu, hein ? Il est magnifique, hein. C'est impressionnant. C'est une dinguerie visuellement. Tu sais, je me suis mis en troisième personne, moi de mon côté là. Ouais.
Et ouais, c'est pas dégueu, hein. C'est vraiment cool, hein. C'est, ouais, c'est, le jeu est magnifique. Moi, quand je suis arrivé dans la zone, la première zone tuto, j'étais en mode, wow. Il y a une D1 un peu genre la machine à remonter le temps, tu sais. Oui. Le film, enfin Jules Verne. C'est ça. Un peu exact. Un peu dans le style de Jules Verne, avec la technologie bizarre et tout. Steampunk. C'est ça. C'est clair. Putain. Oh, j'ai fabriqué. Attends. Fabrication. Fossile de fortune. H. Ah ok, je l'ai direct dans mon inventaire. Forge de fortune. Oh, je fais tout. Hein. Je fais tout, mais... Et ça, par contre... Finalement, je peux récolter plus de ressources. Ah ok, alright. Ok, donc chaque outil a des types de dégâts différents. Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? It slipped my skull that Earth's great citadels resulted from decades of toil. Still, I expected more than that lowly truss of sticks and the haphazard cudgel you now hold. Je m'attendais à mieux que ce simple empilement de bâtons et ce gourdin que vous transportez. You'll need better woodworking skills than that when we reach our destination proper. It affords the perfect setting for... Well, we shan't ruin the surprise. Let us depart, and speak of your ill-favored constructs no more. Sympa. One final by way of muck and mire, then this path of beginning shall fork unbounded into whatever endings you seek. Je vais mourir, là. Heureusement que j'avais des graines. J'ai bouffé des graines. Faut retourner au portail ? Ah, faut localiser le portail de ce monde. Il est là-bas, non ? Ah, il est là-bas. Oula. Ah, le jeu est vraiment trop beau, hein. Hop là. Libérer un écho d'espoir. 18 décembre 1889. Sambugan. L'heure est enfin venue, la pâleur encercle la ville tel un mur oppressif avalant les bâtiments et sans cesse en progression. L'évacuation est terminée, il n'y a plus de rivage d'où fuir. Personne ne sait ce qui se passe lorsque la pâleur vous submerge. Je me tiens là, l'air rempli de cris, alors que la pâleur glisse le long des rues. Puis le silence. Je veux aller avec eux les aider, mais je suis impuissant, personne ne peut plus rien faire. Rester est devenu bien trop dangereux. Quelques-uns ont osé braver le portail en dépit de ce qui peut se trouver de l'autre côté. Ils ont tenté leur chance, mais je reste là à attendre, incapable de partir jusqu'à la dernière seconde. Si jamais elle revient ici, elle saura où me trouver. Si t'as ma chérie, où que tu sois, j'espère que tu es saine et sauve. Ah ah. Oh les marais! Carte de marais, nice, ça, j'ai hâte. J'ai hâte, le marais, meilleur biome, bien sûr. Allez, c'est parti. Avec ma tébre attaque. Enclencher le chevron. J'aime bien, en tout cas. Pour le moment, j'aime beaucoup. Alors, certes, c'est du survival, mais je le trouve vraiment cool. Il a l'air très quali. Petit marais pour me préparer aux trois nouveaux marais du DLC d'Elden Ring. Oh. C'est fou toutes tes constructions là, il y avait des ballons dirigeables et tout. If not for Astaroth's decree, this trek would have been as easy as peach pie. We Fae are forbidden from consorting with your kind. And while my amity is yours, it behooves us both to move with caution. But enough prattle. Okay. The bound guard fey archways that align with temporal realms. As they're already acquainted with your despair, those fiends will emerge when you try to leave this final byway. While I know man's impulse is to flee, without pluck
you're sure to expire. Prepare yourself, Realmwalker. Once this fen is within our wake, a fine morsel of knowledge I shall bequeath. Ahead lie relics of humanity's future. C'est 6 joueurs max, Wawaron. Obtenez ossement, prédateur de rang 1. Ah. Faut que j'aille chasser, sinon je vais mourir. Hein. Y'a pas des baies ici? Ah. Ah oui, ça va vite. Ça, c'est un prédateur, ça. Ah, il y a des crits. C'est stylé, ça. Ok. Ok, j'en ai eu un. Ossement et peau. En vrai, je préfère, je pense, la vue première personne. Je vais peut-être faire un feu, vite fait. Hop. Allez. Fabrique. Dans 7 secondes. Ok. Sept. C'est comment ça? Ça a l'air super. C'est pas mal. On va donner un peu plus. On va faire le mélange de graines là. Assortiment de plantes. Allons-y. Hein. 10 secondes pour l'assortiment de plantes. Pas sûr que ce soit foufou. Putain, ça donne faim en vrai. Ok, c'est ok, tiens. Mais on peut être végé. On peut être végétarien. Ah, faut que je trouve d'autres bêtes à chasser là. Je vais mettre une balise. Voilà. Comme ça, je sais où est mon feu. Ah non, mais vraiment, le jeu est super beau. J'aime vraiment beaucoup ce que je vois pour le moment. Il y a un truc qui marche. Ah là là là. On va faire lui. Oh, je l'ai déchiré. Un lapin raptor, c'était un ralin... c'est un lapin raptor que j'ai tué. Ok, 2 sur 3, il n'y a plus qu'un à tuer là. Et il est là-bas le lapin raptor. Oula. Ah, ils aiment pas les crits, hein. Putain, il est chiant. Hop là, c'est bon. Ok. On récupère tout. Voilà, je suis pas bien. Maladie. Os légendaire. Salut à tous. Vous êtes en difficulté, il vous faut une résurrection. Abandonné.
Alors, il m'a chopé Memento Mori. Il m'a chopé... J'ai chopé une maladie parce qu'il m'a tapé. Ok, noted. Oh, c'est bien ça. Ça te redit... où est-ce que tu es mort? Nice. Ok. Donc, faut faire gaffe. Tu peux choper des maladies. Là, je pense que j'avais pas grand-chose pour m'en tirer. Il m'a filé la ch'touille. Parce qu'il m'a filé, mais en tout cas, j'ai canné. Il rigole pas, le Dot, hein. C'est un peu hardcore. Hein. Quoi ça? Lise Rondeau. Ah, par contre, c'est un truc de fou le nombre de trucs que tu veux looter. Maintenir. Prendre tous les objets. Voilà. Fabriquer pèlerine de fortune. On va faire ça. On va fabriquer une pèlerine de fortune. Ouh. Élégant. Élégant, élégant. Et du coup... Elle est où ma pèlerine de fortune? Elle est là. Ah oui. Ah, on a perdu un peu en flow, mais bon, écoutez. Faut ce qu'il faut, quoi. On résiste un peu mieux avec. Healing salve et viande rôtie. Ah, on va faire cramer la viande. Et healing salve, je sais pas ce que c'est. Ok. Viande... Ah bah, je peux la cuisiner aussi. Est-ce que je peux queue up? Je peux pas en queue up, je crois. Ah, c'est un par un. C'est plus tard, je pense, que tu peux en queue up. Je pense que là, pour quand tu commences, t'en as un et... Attends. Attends, je me suis fait arnaquer là ou c'est comment? Elle est où la viande rôtie? Non, j'en ai deux des viandes rôties. Non, non, c'est bon. Ok. C'est écrit en haut, en gros. Attends. Les flèches en base des slots, c'est pour faire des mélanges. Ah! Ah, ok. Pour en faire trois d'un coup, quoi. Ok, ah oui, là, ça va faire les deux. Les deux à la suite, quoi. Ok. Ok, ok. On va en manger une, là. Yam, yam, yam. Hop, bientôt fini. Nickel. Maintenant, healing salve. Healing salve. Ah, c'est avec des os et des fibres végétales. Ok. D'accord, ça te les donne automatiquement quand tu as le nez dans le truc, quoi. Poussière d'essence. Extrayez de la poussière d'essence vitale à partir des objets de votre inventaire. Ok. Extraire ? C'est ça ? Utilisez de la poussière d'essence pour réparer n'importe quel outil ou votre vêtement. En outil, bah, j'ai le couteau. Réparo. Ok, compris. You've stolen life to preserve your own. A necessity, lest it become a vice. One imbibed by men like dandelion wine. Okay. Now, I've led you about around. Through bog, through bush, through brake, through briar. Hey, on a fini. And forthwith, a temporal realm of abeyance awaits. And so too, Nightingale. First, you must oblige your inner essence and choose the landscape that beckons. Ah. Ah. No need for words. Bro. Only thought. Ouais, mec. T'as pris quoi comme... Il t'a demandé d'imaginer forêt J'ai des arbres. J'ai pris forêt. Allez, forêt.
the mystery of the halt. De toute façon, je pense que de, on serait en même que tu aies mis autre chose, si tu crées ta partie, tu vois. Oui, oui. Je pense aussi. Pas d'un truc du style. Crack their pitiable little skulls. Vraiment. Aventurez-vous dans un monde de désuétude. T'as ça aussi? De quoi? Est-ce que tu dois t'aventurer dans un monde de désuétude? Je crois, oui, que c'est ce que je suis en train de faire. Qu'est-ce que c'est que ça? Pardon. Putain, il est où le portail? Tu sais où il est le portail? Dans cette map? Dans la map du marais? C'est toujours si tu ouvres ta map, c'est toujours montré. Ah oui. Est-ce que t'as besoin, vu que je viens de te tenir la main, pour t'amener au portail dans ton studio? Ça va là? J'ai été désagréable comme ça là? Waouh, ok mec. Parce que t'as perdu la baby card que... Alors c'est abusé d'entendre ça là. Oh, j'adore les coups critiques, qu'est-ce que t'as fait là? Ouais, ça, c'est vraiment cool de pouvoir viser... Oula, oula. J'aime bien le bruit, ça fait pas. Alors, c'est intéressant comment ça marche quand tu coupes du bois. C'est unique. C'est sûr que c'est unique. C'est pas comme dans les autres jeux. Hein. L'arbre, il a fait un 3-6, il a fait une cascade de fou. Ok. La faune est trop cool, mec. Genre, il y a plein de mobs de fou et tout, c'est trop bien. Ah, c'est super beau. En vrai, c'est vraiment super beau. Je m'y attendais pas parce que bah du coup, vu que je ne suis pas du tout spoil vis-à-vis du jeu, j'ai rien vu, donc tant mieux. Remain vigilant while the realms align. Comme ça, remain vigilant. Ce qu'il veut. Remain vigilant. Oh non. Ça veut dire reste vigilant, je crois. Oh là, il y a des bêtes. Regarde. J'ai loot une MG42, je commence à tirer sur tout le monde. Non, pas juste. Ok. Alors, est-ce que. Ah, elle fait des dégâts la hache aussi. J'y allais au couteau, mais la hache elle est très bien. Je me demande si on va jouer ensemble. Un jour. C'est drôle parce qu'on m'a livré 10 minutes de tuto, mais 10 minutes de tuto à quel niveau? Tu te moques là? Ah, te fous de ça? Ok. Voilà. J'ai défoncé. Et genre, il s'active jamais le portail ou faut attendre? Ah, il faut attendre. Your path forward is winding and full of terrors. Save yourself. Survive the realms. And rebuild all that has been lost. Il y a un sacré flow le jeu quand même, hein, faut dire. T'as pas eu le fameux bug? Ah ouais, il y avait un bug là? Préparation du monde. Monde de forêt de désuétude. Carte de désuétude. Jouez cette carte pour trouver un monde peu dangereux, propice à la construction d'une propriété. Même les plus vieux magiciens étaient incapables de trouver l'origine de cette carte. Quiconque la regarde ressent immédiatement un grand sentiment de solitude. Action pressante, la société. Ah, we made it. With the byways left behind, your beginnings have ended. I bid you welcome to the Feywild. This realm has long been forgotten by the Fey, left in limbo, not unlike you.
How fitting. And thus, here is yours to put down roots. But beware. In short time, darkness will descend, and with it, Stygian perils. Les vampires? Laying foundations will keep you intrepid, child of Earth. While you play carpenter, there are nooks in these surrounding wilds I must scrub for the knowledge I pledged. Construisez cairn. Et là, ça y est, le tuto est fini, je peux commencer à jouer avec quelqu'un ou... Bloc de pierre. Ça a pas l'air d'être très efficace là quand même, ce que je fais là. Ah, tuto fini? C'est bon bro, le tuto est fini, on peut jouer ensemble. OMG, comment ça t'as fini le tuto? Bah là, il me demande de faire un cairn, mais le chat me dit que c'est bon, on peut y aller. Ouais, bah vas-y, bah moi je viens de le faire le cairn, c'est pour ça, j'attendais de savoir quand est-ce que je pouvais bouger, mais vas-y. T'as fait juste un cairn? Ouais, j'ai juste fait un cairn. Tu veux rejoindre ma game? Moi je viens de le faire aussi, tu veux rejoindre ma game ou je... Vas-y, je vais rejoindre ta game, ouais, je vais rejoindre ta game. Juste, je sais pas comment rejoindre ta game. Peut-être tu fais juste rejoindre, je sais pas. Vas-y, je vais tenter. Social. Avec Juice, ça vous a envoyé une invitation. Ah non, attends. Mais je veux pas ça. Rejoindre la partie, je l'ai envoyé. Ah mais oui, accepte que je rejoigne, je pense. Voulez-vous vraiment inviter? Oui, je t'ai invité dans mon monde. Les petites cartes, elles sont trop belles aussi, là, vraiment. On va enfin se voir. Est-ce que t'as reçu mon invite? Oui, je suis en train de me connecter. Qu'est-ce que c'est le cairn? Le cairn? Moi, je sais, du coup. C'est une balise? C'est pour noter que c'est ta maison? Alors, je sais pas si c'est la maison. Mais c'est un truc... Voilà, c'est un truc de pierre. Ouais, voilà. C'est un tas de pierres, quoi. C'est un tas de pierres qui va te donner la possibilité de, bah, quand tu l'auras placé, de... Ectolien Grotarin. Yo, mec. Mais... Yo, t'es chauve aussi. Mais putain. Là, il est gros, mon tarin. C'est vrai que ton visage, ouais, ton visage... Ouais. T'es un peu en mode... Mon frère. Oh putain. Et moi j'ai vu la tête, j'étais en mode putain, ça fait trop les poilus, tu sais. Oui oui, de fou, oui. Ils avaient des gueules comme ça, c'est clair. Justement, il faut que je fasse ça. Alors regarde. Oh putain, la violence. Ok, parfait. Bon, en tout cas, ça, c'est pas une galère de se rejoindre, déjà gros bon point. Ouais, c'est vrai. Faut que je parle à Pac. Tu le vois aussi, Pac? Oui, je le vois là, moi. Your tenacity mais, overrules. Attends, il me parle. Non, tu parles à un arbre là, bon. Je vois des trucs. You'll soon wish to venture farther. The unending lure humankind so often. Il faudra de nouvelles cartes et le pouvoir de jouer avec elle. Should you, fortunately, both are close at hand. And here is the knowledge that Robin's friendship. Il y a des sites de pouvoir. Dans ce monde, scellé il y a fort longtemps par les vôtres, désavoué par les fées, il y a de nombreux sites, chacun offrant l'accès à des sphères toujours plus lointaines. La plus proche est la Genèse, déjà formidable pour une personne aussi novice. Il faut y entrer en passant par un sceau forgé par enfant de la terre. Leurs portes barrent la route à ceux qui ne sont pas dignes. Mais je vois en vous cette étrange dentelle, nom et céleste qui est son origine, l'humanité. Par le confort, les compagnons, le butin, j'en sais rien. Ok. Une fois à l'intérieur, plongez plus profond encore vers le piédestal. Sur celui-ci, vous trouverez les moyens de créer la carte qu'il vous faut. Dépêchez-vous, préparez-vous. Incroyable! Salut mec. Yo mec. Faut augmenter notre score d'équipement. Ouais, j'ai l'impression. Il y a des trucs à faire. Allez! Oh putain. Alors, est-ce qu'on peut mourir d'un arbre? Non, fais pas ça. Le sound design est incroyable de l'arbre qui tombe. Bah non, c'est pas Valheim. Oh non, la matière est déjà gros. Allez, on fait un parking? Bah ouais, je pense.
Par contre, j'ai l'impression que l'arbre peut tomber plus vite à deux. Est-ce que si... Ah, je pense. Est-ce que t'essaies de faire tout le tour, là? Ouais, moi, je fais le tour. Un peu comme dans The Forest. Je vois. C'est trop stylé, ça, n'empêche. Timber! Je vais t'aider. Alors par contre, j'ai pu mettre... Ok, donc en fait, si j'étais sur mon serveur et que je venais sur le tien, je garde ce que... Bah, je garde ce que j'ai sur moi, en fait. Ah, c'est cool, ça. Alors, je suis trop lourd. Voilà. Ah. On va peut-être construire un truc. Bah ouais, vas-y. Je te laisse... Panier à poisson. On se fait un petit tipi. Vas-y, bah, je te laisse placer pour que tu vois, pour que tu montres, et je rajoute pour toi. Alors, ouais, je regarde Cairn. Structure de la propriété utilisée pour définir un refuge. Régénérer l'espoir et calculer votre score de propriété. Ok. Ah, oh. Et on peut faire des murs et tout. Ok, allez, c'est parti. On va commencer à construire. Ouais, j'ai l'impression aussi que ça réduit la menace des monstres autour de nous, voilà. Ok. Alors, pourquoi je peux pas... Construction rudimentaire. Faut faire un sol, peut-être. Elle m'a gueulé dans l'oreille, le peuple. Là. Fondation rudimentaire. Ok. Ok, c'est le truc. C'est parti. Ok, je vois. On fait ça. Oh là, il faut des branches, des fagots de bois. Oh, je peux t'aider. Oh, c'est trop bien. Ah, c'est trop bien, ça. Ajouter des ressources. Okay. Ok, là c'est juste que j'ai posé le reste des fags. Ok. On peut péter ça. Oh, c'est trop bien. Oh, c'est trop bien, par contre. Je crois pas que je puisse péter ça. Ah, ça par contre, c'est trop bien. C'est, ça va me motiver à tout couper là. Feu. Allez. T'as pris quoi comme origine? Les origines? Ouais, c'est d'où vient ton perso? Non, j'ai pas trop... Fallu. En fait, je sais juste que mon père et ma mère sont les mêmes que leur père et leur mère, qui sont pareils que leur père et leur mère, qui sont pareils que leur père. Mais parce que tu pouvais être genre officier, t'avais genre soldat, marchand, noble, ah non, criminel. J'ai pas pris, je suis un mec normal, mec, je me la pète pas, quoi, voilà. En RP, je me la pète pas, quoi. Bon, j'imagine toi, t'es maréchal Ferrand, enfin bref. Mais y'a un problème avec les maréchal Ferrand? Non, y'a aucun problème, mais bon, vas-y. Ok. Tranquille, j'ai rien à dire, mais bon. Ok. Je ramène mes fagots, là. Attends, il en faut combien? Je sais pas, mec. Mec, tes murs sont insane. Du coup, y'a pas de fenêtre chez nous, là? Non, mais attends, tranquille, là, je place juste les murs. Non, c'est la folie. Je vais pas pouvoir respirer, là. Plus. Attends, mais il faut des essences pour pouvoir... Pour pouvoir extraire. Attends, je regarde les essences, comment je peux... On lui dit ou pas? Quoi? Tu veux que je te lise? Oui. Et ben, tu cliques droit sur un item et extraire. Ouais, mais du coup, quel item? Ah, ça. Voilà. Et ben, je sais pas encore. C'est bon, j'ai trouvé, je le fais. J'ai des parapluies simples. Oh, j'aime trop le fait qu'on puisse réparer l'équipement sans avoir à se gonfler, aller sur un établi et tout là. Ça, c'est bien. Ouais. C'est vrai, c'est fou en vrai. Non mais c'est vrai, hein. C'est trop relou quand il faut genre... Ouais, clairement. Recrafter les items ou quoi. Je suis d'accord. Bon, par contre, ça consomme de l'endurance de taper sur les arbres, ça m'énerve. Bien, on fait du bois ensemble. On fait la maison, comme ça c'est fait. Et voilà quoi. Et je crois qu'il nous manque... D'autres trucs que du bois, non, là? Enfin, je sais pas. Oui, il faut des fibres aussi, je pense. Peut-être même des cailloux, j'en sais rien. Vas-y, il faut. Putain, il a mis un bout, il est tombé, là. Qu'est-ce qu'il est fort. Attends, est-ce qu'on a... Il y a du TK? Vas-y, tape-moi pour moi. Oh. Ah, non, pas du tout. Y'a pas de TK? Non, y'a pas. Ok. Par contre, tu me pousses, non, quand tu me tapes, je sais plus. Je pense pas, hein. Que tu me... Ah oui, non, y'a pas du tout de TK. Ouais, okay. Y'a vraiment rien. Oh, c'est dommage. Je crois qu'on est un qui va être, être triste de pas pouvoir TK. Je pense qu'il n'y aura pas à ce jeu. Je pense, ouais. Je pense que ça va pas l'intéresser du tout. Dommage, éventise. Apprenti bâtisseur. Qu'est-ce qu'il veut, lui?
How far you've come. J'ai baptisé, t'es fort, t'as fait une maison. Bien joué à toi. Sans plus personne, je vous dis. Marchands en essence. Qui sont les marchands en essence? On retrouve les marchands en essence dans la plupart des mondes. Ils proposent des plans, des ressources, des objets consommables. Ah, par contre, t'as menti, hein. Quoi? Bah, moi, je prends des dégâts, là, sur les arbres qui tombent. Ah, moi, non, pas du tout. Ok. Indulge their hunger for essence. And they will indulge your want for new and novel constructions. Ok. Ah, tu m'as menti pour que merde, je suis le darbre. Quoi? Mais je t'ai pas menti là, what the fuck? 4 de porte rudimentaire. Attends, y'a un problème là. Réparer. Ouais, y'a plus de problème là. Ça va, Hectolien? Ouais! Ah, super! Est-ce que tu fabriques Hectolien à la maison là? Ok, regarde. Attends, mais est-ce que. On peut est-ce genre que tu peux modifier, c'est ça un mur? Ouais, c'est ça. Je pense pas. Je pense que tu dois delete et faire un truc. Par contre là, je suis en train de voir un truc qui me quoi? Pourquoi il y a écrit 16 sur 300 là? 16 sur 300 quoi? Là, regarde la santé du mur là, dessus là. Oh non. C'est qu'il avait pris 16 dégâts? Peut-être parce qu'il y a 16 murs autour de la maison. Je sais pas du tout, mec. En fait, on peut avoir que 300 murs. Enfin, 300 murs, je veux dire 300 constructions. I have no idea, man. Eh ben, essaye de mettre genre un toit. Ouais, je vais essayer. Déjà, je mets les portes. Faut que je fasse des trucs. J'ai l'impression que c'est ça, hein. Par contre, le snap pour crafter, c'est trop bien. Il marche trop bien. Ok, donc on n'aura jamais des super. Tables, c'est bon. Quoi? Non mais c'est une première cabane. Non mais c'est bon, c'est bon. Oh là là, je vous jure. Ok, on n'aura pas d'étage. Tu veux un étage pourquoi? Les étages c'est rouleau, on n'y va jamais. Mais c'est bon, c'est bon. Pourquoi faire une maison de plein pied? Dans les jeux de survie, maison de plein pied, maison de plein pied all the way. Les étages, à chaque fois je suis en mode, oh regarde, j'ai fait un étage. Il n'y a aucun coffre à l'étage, personne ne va jamais à l'étage. Moi je vais toujours aux étages. Ça veut dire quoi ça? Non, non, mais tranquille. Alors sache que je. Non, vas-y, je vais rien dire parce que j'ai ramassé des balles et tout, hein. Des quoi? Des balles. T'as vu, il y a des guns, hein. J'ai l'impression parce que là j'ai des cartouches de 43 et j'ai des cartouches de chevrotine de 12, donc. What the fuck, il a déjà des trucs de guns? Bah en fait, y avait des trucs à explorer et j'ai exploré. Ok. Oh, par contre, t'es c'est. T'es messieurs, dames. Ah, j'ai trop envie d'explorer. Par contre, le jeu me donne trop envie d'explorer, c'est une dinguerie. Bah en vrai, tu veux pas genre on va juste explorer là? Non mais moi j'aimerais bien juste qu'on finisse la maison et ensuite on part explorer. Vas-y, on fait ça. Comme ça on a, tu sais, on sait qu'on peut retourner là, y'a pas de problème. Il faudrait qu'on fasse des lits alors. Ouais, je vais m'en occuper, enfin on va s'en occuper tranquillou. Occupe-toi de ton lit en fait. Ok. Et... Ok, c'est. Bah, j'ai fini. T'as fini la cabane? Chez toi, ouais. Tu vas y terminer. Ok. Alors. Je galère sur cet arbre là. Merde pas, mec. Est-ce que c'est. Alors, chat, je veux bien un petit backseat là-dessus. Est-ce que c'est utile de faire le tour des arbres pour les couper plus vite ou est-ce qu'on peut juste bourrer au même endroit et on s'en fout? Ouais, au pire, on peut faire un test, mec. Hein. Ah. Timber. Que les petits, ça a l'air de vraiment genre être le problème. C'est quoi? Non, les petits, je veux dire, y a aucun problème. Oui, c'est vrai que les grands, j'ai l'impression qu'il faut. Mais est-ce que c'est worth it? Je crois que faire les petits, c'est beaucoup plus worth it que faire les gros. Bah, en fait. Je crois que les petits, quand ils tombent, ils te donnent quand même des brindilles, alors que les autres, ils donnent que des bûches. Je dis pas de bêtises. Ouais, même, regarde, là, il va donner combien de bûches, le petit? Ouais, vu le nombre de bûches qu'il donne, je pense que c'est beaucoup moins relou de faire du petit que de faire des gros. Hein. Okay, ça. Ok, j'ai placé nos lits. Mon inventaire est trop lourd. Ouais, ça me le dit aussi. Alors... Repos. Paillasse.
Alors, sachant qu'il y a aussi le truc. Score d'équipement. Oh, c'est plus joli. Pas de problème, mec. On va se Alors, par un... contre, question, est-ce que. Est-ce que, en fait. Alors, je vais faire un panier à poissons aussi. Je sais pas à quoi ça peut servir, mais bon, il y aura un panier à poissons. J'ai une idée sur ça, mec, si jamais. Ouais. Tu penses que ça peut servir à mettre des poissons? Peut-être. Enfin, je dis ça, mais non, je sais pas. Hein. Peut-être mettre des Moi, chèvres, mais. Tu t'avances un peu, je pense. Est-ce que tu penses que. Ah, le truc cool, c'est qu'on peut mettre ce qu'on veut dedans. Ok. Donc voilà, c'est pas que pour les poissons. Je trouve ça bizarre qu'ils aient appelé ça panier à poissons, mais c'est juste peut-être le look que ça a. J'en sais rien. Bah, en fait, je pense que dans. Ouais, en fait, on peut mettre tout dedans, ouais, ok, ok. Prendre tous les objets, parfait. Après, je dirais que c'est juste mettre des poissons, peut-être. Personnellement, je Faut que, le feu de camp soit à côté de nos lits pour le bœuf. Yes, je vais en profiter pour nous cuire des choses. Ouais, vas-y. C'est-à-dire bah, pas grand-chose. C'est-à-dire bah, de l'air. De l'air. Tu veux manger un peu de l'air là? Je cuis de l'air là, vas-y. Petit air grillé là avec un peu de Allez, romarin. Hop, là. Voilà, je cuis de l'air avec des plantes. Ça part là. Saupoudré de graines. J'adore. Attends, par contre, le healing save. Il y a une station de tannage simple. Je vais en crafter une, on sait jamais. J'aime bien. Je sais pas toi, Joe, c'est moi, j'aime bien. J'aime bien ce que je vois depuis tout à l'heure. J'aime beaucoup. C'est plutôt ok en vrai. Par contre, on me demande pourquoi je suis si lourd. Moi, j'oserais jamais dire ça. Mais... Oula. Extraire, vas-y, on va faire de l'extraction. C'est vrai que je comprends pas. Est-ce que c'est ça ici? Commentaire est lourd, mais il est lourd de quoi? Qu'est-ce qui est si lourd? Et je sais pas si je peux lâcher. Regarde ce que j'ai ramené. Je peux faire du cuir. Un boss. Ah, j'ai ah eu mais du... c'est ça qui est archi lourd. Bah oui, c'est ça. C'est... Bien sûr, j'ai 22 lingots. Les 22 bûches. Mec, regarde! J'ai chopé ça aussi tout à l'heure. Des lingots d'étain. Où ça? Lingots d'étain. Là-bas, au sol. Oh la dinguerie! Le truc il est déjà crafté quoi. Oh il est immense j'ai le lingot. J'ai trouvé ça comme ça. Je... Trop stylé le lingot. Ah ouais. Je vais stocker des trucs, fagots de bois, branches. J'ai un os légendaire aussi. Oh là là! Je sais pas trop ce que ça fait. Pour le chien, je pense. J'aimerais bien savoir comment. Voilà. Moi je suis prêt à y aller, si tu veux. Ah, ils sont là. Est-ce que tu t'es fait des petits bandages et tout? Je sais même pas qu'on pouvait en faire. J'ai l'impression que c'est ça. Après, je sais même pas. Attends, est-ce que je peux genre te les partager? Ah, tu peux le dropper. Mais en fait, je peux te le dropper, mais j'arrive pas à le séparer. Tu veux scinder la pile? C'est ça. Attends, mais c'est bon, je peux. Aussi, regarde. Confirmé. Voilà, je t'en ai drop 4. Ah, c'est les healing salves. Ah, mais si, j'en avais. Ah, c'est ça, des bandages. J'en ai 6 au total, crois. Là. T'en as combien sur toi? J'en ai 5. Ouais, c'est bon. On va explorer? Allez. Attends, tu t'étagues sur le lit? Est-ce qu'il faut se taguer sur le lit? Moi, j'ai fait repos court. Ok. J'ai pas fait repos court. Je suis en train de me reposer, là, mec. Je suis reposé. Reposé de fou, là. Pourquoi t'es tout en blanc? Parce que je suis un bourge, moi. Je fais le start bourge. Ah, ok, excusez-moi, seigneur. Ah, je préfère ça. Oh! Sors le seigneur quand je vais arriver derrière toi dans ta. Enfin bref. Bah oh, y'a quoi? Oh, what the fuck? Oh, c'est quoi ce truc énorme doré là? C'est un monstre ça? Je sais pas, on va voir. Mec, c'est de l'or? Est-ce que je vais devenir seigneur? Attends, c'est quoi ça? Alors, j'aime bien voir, tu sais, quand je vois un caillou différent. Ah oui, ils sont bizarres genre, ces cailloux. Là, tu vois, c'est bizarre ce caillou. Immunisé, ok, on peut pas taper sur ce caillou. Il faut une meilleure pioche. Comment jouer humidité? Ah, c'est parce que t'es à côté de moi, mais.
Attends, je regarde. Comment jouer humidité. Faut se mettre à côté. Oula, vaincre les ennemis. Vous pouvez souffrir de l'humidité lorsque vous subissez une averse. Alpha. Ouais. Ectolien. On a un problème. Pourquoi? Bah le... Oula. Ok, on les défonce hein. Ok, ok. C'est pas le bon là hein. C'est un boss ça. Ouais, tu l'as vu le boss là? C'est qui le vrai boss? Tiens, tu vas faire quoi toi? Par contre, la troisième personne, on dirait que... Regarde par terre là. Ouais, un peu ouais. Attends, ils sont petits hein. Ils ont fumé hein. Fais gaffe par contre, tout à l'heure, moi je suis mort, j'ai chopé une maladie. Quand t'es mort dans tapé. Le tuto. Ouais, je suis mort contre un des lapins, l'imparaptor, il m'a mordu et ça m'a mis une maladie, ça m'a mis un dot, je suis mort. Ok, ok, pas de soucis, ça, c'est peut-être un saignement, mec. Non, non, il avait écrit maladie. Attends, est-ce qu'on peut taper... Oh putain, on peut taper là-dedans. Ah, okay. C'est juste... Est-ce qu'on devrait... Je pense qu'on a pu... Puzzle core. Mec, je sais ce qu'il y a écrit, là. Ah ouais, il y a écrit quoi? Libéré. Ah ouais, incroyable. Libérer faveur de pouvoir. Comment jouer faveur? Attends, je regarde ce que c'est. Vas-y, vas-y. Faveur. À l'issue d'une activité dans un monde, vous pouvez recevoir une faveur. Vous pouvez choisir une faveur parmi trois. Après la sélection, la faveur octroyée vous permet de bénéficier d'un bonus ou d'un avantage pendant une durée limitée. Ne manquez pas les échos d'espoir qui apparaissent dans une zone d'activité pour bénéficier de ces avantages. Utilisez-les à votre avantage pour exploration des mondes. Ok. Et comment on utilise la faveur? Ah c'est ça. Ah c'est ça. Oui, oui. Nouvelle découverte, marteau simple. Va, attends, bouge pas, regarde-moi. Quoi? Tu vois le mouvement de mes jambes ou pas quand je jump? Regarde. Ah oui, c'est vrai que elles sont vachement lestes tes jambes pendant que tu sautes. Ouais, t'inquiète. C'est de ce. Il y a un autre truc là, que c'est ça? Oh. Ah, t'as looté un coffre? Non mais regarde, bah regarde, je loot pas comme ça, tu peux montrer. Alors, charme du bûcheron. Ce charme régénère l'endurance de celui qu'il porte à chaque fois qu'il abat un arbre. Oh, trop bien hein. Tu le veux? Si tu veux, je peux être ton bûcheron. Oui, je suis un pauvre et tu es un seigneur. Oui, mais non, mais c'est si tu veux. Potion de soin légère. Ah non, attends, merde. Vas-y, lis. Potion de renforcement légère. Vas-y, prends-la. Prends tout. J'ai loot ça, là, je sais pas ce que c'est. Icor de lié. Ce sinistre liquide à l'odeur de nauséabonde épais comme la mélasse coule dans les veines des liés. Le truc qu'on a du kill là, je pense. Alors ça, je sais pas comment tu l'appliques. C'est pour buffer des items, je pense. Mais prends tout. Attends, on peut faire moitié-moitié, je pense. Genre la potion, regarde. J'en laisse ah bah une. Voilà. Merci. Tiens, prends le reste. Ah, je prends des dégâts. Oui, c'est normal. T'es en train de mourir en fait là. Pourquoi je prends des dégâts? Parce que... Grêle. Putain, il y a de la grêle, ouais. Mec. Ouais, bien, ouais, bien, on va prend dans le petit truc. On prend des dégâts de grêle, mais OMG. Ça pique. Oui. Viens dans la caverne. Crâne. Mais au sur secours. Crâne, on n'est pas protégé. Notre crâne n'est pas protégé, Jules. Tu dis à notre crâne, il nous prend un casque. Oui, ça fait mal. C'est mes bobos. Il y a de la grêle, j'ai mal à la tête. J'ai peur. Attends, mais ça va passer. Ce nez de... Il est beau, mon nez. Oh là là. C'est tous mes ancêtres ont participé à la création de cette perfection. C'est un parcours pour Paris 2024 là que tu as sur le visage. Ah, la grêle. Un terrain de cross le truc. Bébébép. Mais. Bébébép. Les fourriers, table de couture simple. Acheter la table de couture simple auprès du marchand. Ok, faut qu'on trouve un marchand. Et je crois qu'il y en a un pas très loin. Comment ça? Refuge, un refuge de monde errant sur oui. Un carte. Non, ça c'est nous. Oui, ça c'est, oui, c'est nous. Transmutateur mondien. Attends, mais comment tu sais qu'il y a un commerçant pas loin? Non, marchand d'essence, là-bas. C'est écrit sur la map. Marchand d'essence? On voit vraiment toute la map. Vas-y, j'ai tourné un gros tas. Là où on doit aller, c'est à 835 mètres, ça va? Tu peux sortir? Vas-y, hein. Oh, ça c'est va, loin grêle, là! C'est un peu loin, mais vas-y viens, attends, on fait une étape par l'établi. On peut crafter un établi. Tu veux qu'on fasse... Ah, une étape à la maison? Ouais, vite fait. Ok, pas bon. J'essaie de voir comment... Du coup, comment... Comment je mets un char, moi.
Ah mais il faut juste l'avoir sur le soi, j'imagine, dans son inventaire. De quoi? Le charme du boucheron, il faut juste l'avoir sur soi. Je sais pas du tout. Il faut des fagots de bois. Caractéristiques de construction. Les caractéristiques de construction modifient la fonction de certaines structures. L'environnement et les structures proches déterminent les caractéristiques de la structure. Un tapis de couchage est plus efficace dans un endroit chaud et sec. Caractéristiques ont des implantations positives et négatives. Il faut notamment faire attention aux caractéristiques comme instable et exposition, qui sont appliquées en fonction de l'emplacement d'une structure. Ok. Les établis acquièrent la caractéristique instable s'ils sont placés à même le sol. Vous pouvez y remédier en... Ouais bah c'est bon, on l'a mis dans des fondations. Il est abrité, on est bon. Les mondes errants peuvent également ajouter des caractéristiques positives comme lumière et chaleur en installant un feu de camp près des établis. Bah c'est bon, on a tout mis là. Certaines structures peuvent bénéficier d'augmentations qui influent leurs efficacités. Pour utiliser une augmentation, vous pouvez la placer à proximité de la structure. Ok. D'accord. Les errants peuvent observer les caractéristiques actives en interagissant avec une structure terminée à l'aide de l'interaction. Alors, je peux fabriquer une arbalète. Il nous faut de la peau, non ? De pierre simple, couteau de chasse, faucille, hache de bois, marteau, pic de mineur, piolet. Ouais. Mais il nous faut du des sangles, donc il nous faut. On en a. J'en ai crafté. T'en as combien ? J'en ai deux. L'arbalète est pour toi. Il y a du fagot là-dedans. Ah, c'est bon, je l'ai fait l'arbalète là. Ok. Oh, parti. Après, est-ce qu'on y a des flèches? Je vois pas de flèches. On peut en crafter, je pense. J'en vois pas. Après, il faudrait voir, du coup, si avec le pic de mineur simple, tu peux aller taper dans les trucs qu'on a vu juste avant. Évidemment. Pour voir tu sais, si c'est une qualité up. Je pense que oui. Ouais, j'avoue. Alors, attends, je regarde. Ah, bah, billes de pierre simple. C'est peut-être ça, les munitions? Attends, je vais me prendre des pierres. Oh putain, l'arbalète, t'as rigolé zéro par contre. Bille de pierre simple. C'est quoi, faut pas te prendre le nez dedans? Je sais pas, I don't know. Il y a moyen que les billes de pierre simple ce soit les munitions, mais c'est bizarre une arbalète avec des billes. Arbalète, ah ouais, surtout c'est que j'ai pas l'impression que cette arbalète prenne des billes. Bah je crois pas, non. Ce serait étrange. Peut-être qu'on a pas encore appris le truc du... flèche, hein. Ah, si, elle prend des billes. Elle prend des billes? Tiens, attends, je te la file. Ok. Hop. Et je te donne les billes. Hop. Vas-y, on va la tester. Vas-y. T'as que 20 billes. Attends, on va te récupérer d'autres munes. Oui. C'est un peu léger, 20 billes. Putain, on peut enlever ça. Ah, faut trouver vraiment des petits cailloux, quoi. Ah, y'en a là. Ouais. Ah, mais oui, ça, c'est, je pensais, c'est des blocs de pierre. Et donc, du coup, c'est que les billes, c'est que des petits cailloux. Oui, il faut des petits tas de pierres, pas des blocs de pierre, t'as raison. Oui, les blocs de pierre, ouais, c'est autre chose. Après, peut-être que les blocs de pierre, on pourra les passer. Enfin, tu vois, s'il y a sûrement, une sorte de. Un broyeur. C'est ça. Ça va le faire, non? En vrai, tu devrais peut-être. On devrait s'en crafter une deuxième. Hein. Je pense aussi. Est-ce qu'il faut pour en faire une deuxième? Il faut des sangles. Je vais regarder ce que je. Comment j'ai fait des sangles tout à l'heure? C'est des peaux, c'est du cuir. Il nous faut des mobs. Tu dois en avoir, toi, des peaux pour faire des sangles. Viens voir, j'ai installé un truc pour faire des sangles. En fait, j'en ai plus. Ah ouais? Ouais, je pensais pas. En fait, tout à l'heure j'étais lourd et du coup j'ai délaissé les trucs. Quand j'ai il me faut des peaux pour faire des sangles. Ouais. Ah si, j'ai une peau là. Mais je crois qu'il m'en faut deux. Ah non, si, c'est bon. C'est bon. Je vais avoir ce qu'il nous faut en sangles. Ah, j'ai deux sangles. Et il faut fagot de bois. Bon bah ça c'est easy. Hein. Regardez. Bille. C'est quand même.
l'inventaire est trop lourd. I am too heavy. Ah mais attends, par contre du coup, est-ce que, vu que j'ai lancé un truc, tu dois attendre ou... Non, non, c'est bon. Ah, tu peux crafter ton truc là pendant que moi je suis en train d'en crafter un? Je sais pas. J'ai mon arbalète. T'as lancé un craft là? Ouais, ouais, je l'ai fini là. Je vais faire des billes, ok? Ok, ok. J'en fais beaucoup. Dans 2 minutes, c'est fini. Je crois que les crafts sont pas les mêmes. Ah ouais? Donc en fait, je peux faire mes crafts pendant que tu fais tes crafts. Hein. Ouais, c'est pratique ça. Hein. Sinon, ça veut dire qu'il faut s'attendre tout le temps, c'est relou. Oh, je sais pas, on va voir. Ouais, ouais, je pense que on se fait une arbalète avec des billes, et puis on va voir si on explore, ouais. On regarde sur des mobs. Et puis, hein. Ça va aider, je pense. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Survie, c'est bon. Stockage, c'est bon. Repos, on est bon. Propriété, c'est bon. On a fait le station de tannage établi, on est bon. Tu sais ce qu'il faudrait voir? Il faudrait voir si en tapant, genre par exemple en se faisant une hache en bois simple ou même un pic de mineur, si on tape sur une ressource qu'on ne connaît pas, si ça nous ouvre d'autres crafts. Oui. Bah probable, hein. Capable d'extraire minerai, pierre et gemme du sol. Ouais. Il faut des sangles, faut qu'on aille chasser, mec. Ouais, on va aller chasser. Bah, on va aller faire ça. Obligé d'aller chasser, là. On n'a pas le choix. Bon. Oui, go chasser. Oui, go chasser. Moi, j'ai un peu ramassé les trucs devant chez nous, là. Non, de quoi. Tu chasses devant chez nous? Ouais, je ramasse les herbes et tout. Hein? Je désherbe. Je désherbe. Vas-y, désherbe, vas-y. Ouais, mais faut une autre. Ouais, faut une hache spéciale pour enlever les souches? Pas trop. Ah, peut-être, hein. Ok, j'ai reçu beaucoup de munitions, je t'enfile. Si tu veux, oui. T'es parti. J'en ai 59, là, actuellement, sur moi. Ok. Ça, c'est quoi? Immunisé. Mais du coup, ça voudrait dire, ça affiche 40. Peut-être les dégâts dessus. Ah, clic droit pour mettre un truc dans un coffre. Vite. Ok. Bon, on peut y aller, hein. Vas-y, on peut. On prend la direction que tu souhaitais, à 700 mètres. Exactement, ouais. Vas-y, allons par là. Faut déverrouiller la table de couture simple. Ah, c'est vraiment trop joli. Puis dès qu'on voit une cible, dès qu'on voit une proie... Oh, regarde la roue à gauche. What the fuck? Attends, mais what the fuck? Et qui a fait tomber son vélo, là? Gulliver. Gulliver, quel film de fou. T'as déjà vu le Gulliver de noir et blanc? Ah non, ça me dit quelque chose, mais je crois pas. Oh, j'ai regardé ça quand j'étais môme avec mon père. J'ai toutes les images là qui arrivent. Est-ce qu'il mangeait de la pizza? En même temps là, comme d'hab. Mais non, mais je disais ça en ref à l'autre jour quand tu me disais que t'as appelé qu'il mangeait de la pizza, pas parce que t'es italien. Non, mangez pas de pizza. Non, mais tranquille. C'est une ref mignonne et il me prend pour un raciste. C'est bon, tranquille. Alors, j'ai rien dit. Me tire un carreau d'abalette. Tiens-toi un carreau, ouais. Enfin non, une Eh, par contre, y a moyen d'avoir un lapin ou il faut faire du bruit, là? Bah, y avait un truc, hein, sur le bâtiment, mais j'ai eu la flemme. What the heck, là-bas? Attends, mais c'est des plateformes? Mais oui, mais... Avec des mineries bizarres, là? Oh, what the fuck. Ah oui, j'avoue, c'est quoi ce truc? Attends, on va voir. C'est vrai que c'est des pas bizarres, un monde classique, ouais. C'est pas vraiment un monde classique, ouais, j'ai l'impression. Mais aussi. Pas dans your average monde de... Autour de l'alpha, je crois. Putain. Ok, good.
Y'a pas des mobs là? Oh là y'a des bêtes. Y'a une bête, y'a un loup. Oh putain. Je crois que je lui ai mis 4. Oui, oui. Oh oui, on leur va trop cher. Alors, y'en a beaucoup. Oh le headshot. Ah mais il est sorti nulle part lui par contre. Ok. Ça va tranquille? Ouais, je sens bon quoi. Je crois que tu sens très bon. Mais putain mais meurs. Vache. Ok fin. T'as un couteau? Oui j'ai un couteau. Ouais. Sinon je serais pas sorti tuto mais. C'est vrai. Je me suis dit ça au moment où je t'ai posé la question. Non mais. Vas-y, si je ramasse des champignons, tu fais de l'eau. Ouais, vas-y, vas-y. Je te ferai des jolies soupes. Oh, MG. 230. Quoi? Ah, mais attends, mais du coup, ça doit être le niveau de. Ah. Mec, on pourra jamais miner ça. Pourquoi? Bah, il faut. Ah oui, niveau 230. Ah ouais, ouais, c'est. Faut être. Alors, chaud, je sais pas. Mais... Oh mon dieu, c'est quoi? Bouffe. Il y a un coffre là. Allez. Oh. Imprégnation sylphide, encombrement. Poids maximal peut 10%. Ok, pourquoi tu l'as volé? Il y a eu un bug, mec. Il a disparu. Ok, je te laisse une potion parce que moi je suis pas un voleur. Je l'ai pas non plus. Je joue avec cette carte pour augmenter le rendement des rochers. Ok, nice. Je prends. J'ai juste devenu rendement de rocher. J'ai pris direct. Moi j'ai vu poids maximal. Toi t'as vu rendement rocher. Fais ton grain. Oh putain. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait là? Mais faut okay, l'appliquer hein. Je reste là moi. Ouais, ok. Oh, c'est quoi ça? C'est bizarre. Ok, c'est une plante, c'est du gosse. C'est un effet, je pense. C'est magique, mec. Ah oui, c'est des champignons qui font ça. Ouais, c'est parce que je les ai ramassés derrière. Ouais, les champignons fantômes, oui, c'est ça. Pour des crafts là. Oh, c'est faut quoi, pas ça ramasser trop non plus, hein. Ouais, de toute façon. Bah là, actuellement, de toute façon, focussons-nous sur le fait d'aller sur ton point. Ouais, ouais, en tuant des et animaux. Et voilà. Si on a quelques structures, on s'arrête. Et puis, on ramasse le maximum de cuir possible. C'est ça. Le petit sous-bois, là. C'est quel jeu? Fais un effort! Lee! Ah regarde, j'ai trouvé un portail. Ah ouais? Ouais. Ah, mec, j'ai attends, il y a des cerfs devant moi. Il y a des dindes, il y a des dindes. Il y a des dindes? Ah oh, oui. Des dindes. Ah oui, je l'ai vu, il y en a beaucoup. Mais il se barre. Je sais pas si... Oh putain, il a un HP. Oui. Oh bien joué. Ok, je l'ai eu. Oh, ils vont se stock. Ouais, stockez-vous. What the fuck? Ok, je vais loot celui que t'as tué. Bon, faut être chaud de la viser, hein, parce que tu les one-shot pas, en fait. J'ai l'impression que en plus de ça, la range de l'arbalète, c'est pas... Non, bah, c'est la première, normal. Bien sûr. Ils ne font que courir, hein, c'est impossible. Bon, par contre, mec, ils sont masse loot, hein. Ah ouais? Ah ouais, bah, j'ai beaucoup de choses, hein. Attends, peut-être qu'il faut juste... Pas réussi à en avoir un autre, mec, je suis désolé. Bien joué. Oh, c'est bien. Je suis une merde. Je vais m'occuper de l'autre. Ah, t'as pas réussi? Non, j'ai pas réussi, non. Je n'ai pas eu un seul. En fait, ils étaient trop loin et... Ils continuent de courir, là? Ouais, ils faisaient que courir. C'est pas les dindes de Valheim qui sont un peu perdus. J'ai l'impression. Ou je sais plus dans quel jeu les dindes tu pouvais même les fumer avec des coups de poing tellement ils étaient ah, chill. Attends, est-ce que. Ah non, mais ça c'est une hache, idiot. Tu peux venir après ici là. Je veux voir un truc. Tu vois quel chiffre au-dessus de ma tête là? 5. Ok. Parce que moi je te vois 12. Essaye de taper là. Sur ces trucs là. Dis-moi si tu récoltes. Non. Immune? Ok, parce que ça montre 10 en fait. C'est bizarre. Putain, mais t'es 12 parce que. Ah, là t'es 5. Ah, mais attends, mais c'est parce que. C'est selon l'arme, l'arme que j'ai. Que t'avais sur toi. Regarde, l'arbalète, c'est ça, c'est 12? Ouais, c'est ça.
Vas-y, change. Du coup, tu me vois 12 aussi, j'imagine. Ouais, t'es passé à 12 aussi. Oh, ok, ça donne okay. Le niveau de ton arme. D'accord. C'est bien, c'est bien. Est-ce que... Putain, si on est en pleine promenade de nuit, là, j'ai vraiment envie de... Oh, bordel. Quoi? Oh, c'est trop stylé. Ma vie. Wouah! Wouah! Wouah, c'est la dinguerie, par contre. Putain, elle est grosse, cette bestiole. Bastille de puissance. Attends, je regarde. On a eu un nouveau tuto. Ouah, c'est trop classe. Bastille de puissance. Un écho d'espoir est enfermé dans une structure d'effet à proximité. Activez l'interrupteur. Oula. Fermera l'arène et poussera les créatures à apparaître. Combattez jusqu'à avoir fendu toutes les vagues. Quoi? C'est une ça arène, joue mec. Ok. Bah, c'est, si tu actives le truc, ça joue, ouais. Ok, ok. C'est juste que j'ai eu peur, ça a fait du bruit d'un coup, là. Tu veux essayer? Bah, on peut essayer. Bien. Ah oui, le truc actué est à l'intérieur, d'accord, j'imagine. T'as lancé? Non, j'ai toujours pas lancé, j'attends. La musique fait peur, hein. C'est toi qui... C'est toi le lanceur de choses. Moi, je suis. Allez. Ça a fini par revenir de la même façon. Mon sommeil était agité. Mammouth sous-protéiné. Ah là, c'est même pas un mammouth. Alors, c'est où qu'il faut activer? Je sais pas, il y a une musique qui fait peur, mais. Ouais, je dois avouer, j'ai un peu sursauté sur le boboum. Ouais, ça là. Ah, il y a un truc là. Alors, je pense pas qu'on puisse y accéder. Ça a pas l'air. Oh! Tu shoots pas bien ou quoi? Ah oui, ouais, on peut pas, mec. Ah ouais, ça doit être trop bas level, peut-être. C'est possible. Reprenons notre route. Ouais. Ok, noté, il y a un truc comme ça ici. Ah, mais la musique, elle met des coups de presse là. C'est vrai. Et là, en fait, il y a un truc que j'attends, moi. C'est la nuit. Ah bah, la nuit, je pense, ça va être complexe. Hein. Oh, regarde à droite. Ouais, petite structure, on en a une aussi à gauche. Ah, ce qui me gêne, c'est que de nuit on va galérer à chasser. Hein. J'ai cru que c'était moi qui te gênais, enfin bon. Quoi? Ah ouais. C'est toi qui me gêne, quoi, de nuit. Bon. Mais non. Mais pas du tout. Ah, qu'est-ce qu'on. Est-ce que c'est un truc qu'on passait avant? Oh! Ah quoi? Bah ouais. Bah je... Non c'est... Le paysage. Attends, je viens de voir. Parce qu'il y a rien. Vas-y, en bas. Viens. Il y a rien sur le truc où j'ai été. Mais peut-être qu'il faut y accéder non, avec des ballons. Ouais. Je pense ouais, qu'on peut crafter ouais. Des ballons pour aller en hauteur. J'espère qu'on peut crafter des bateaux pour aller voir ce qui se passe là-bas, j'ai envie de te dire. Hein? Ah, attends, il y a une île? Bah viens voir. C'était qu'une île là. Waouh! Ah oui! oui! Attends, mais on peut aller. C'était qu'une île! Non, mais on peut aller là-bas? Je pense pas, je mec. Sais pas. Hein. Non, je pense pas. Je pense pas parce que quand j'ouvre la map, la map elle est limitée vraiment à notre île. Je pense que c'est pour le décor. C'est sûr, c'est pour le décor. Ben. Je sais pas. Hein. Mais si, regarde, même là-bas, il y a un continent qu'on voit au loin. Oui, mais peut-être au loin là-bas, tu vois, mais là, peut-être on peut y aller. Ah, celle-là, là-bas peut-être. Oui, celle en face, là. C'est les îles devant, là. Parce que regarde la map, il y a un contour, tu vois, blanc autour. Ouais, je sais pas. Hein. Je parierais pas dessus, perso. Mais peut-être. Il y a encore plein de structures random, là. C'est quoi, ça? Et c'est encore des trucs qu'on peut pas... Peut-être... Je t'ai dit, on aurait dû peut-être se faire une pioche, mais vu qu'on n'avait pas le cuir... Bah oui. Oh. Ah, ça step. Putain, il y a des dindes derrière. Vite. Il y avait un truc à récupérer. Ah. Bastille ouais d'intelligence. Ouais, attends. Attends, fais pas de bruit peut-être. Tu les vois? Ils se sont barrés, mec. On les reverra plus. Hein. Ouais, dès qu'on fait du bruit, c'est foutu. Je crois qu'il y a des mobs en bas là. Il y a une bastille d'intelligence, c'est un autre truc de défi. Des mobs, ouais. Ouais, j'ai vu. Mec, il commence à faire nuit. Hein. On va rentrer de nuit, ça va être compliqué. Là, regarde des trucs bleus là. Ah oui, what the fuck, c'est quoi? Ah, je sais pas. C'est devenu rouge. J'ai fait pas de dégâts. T'as pas fait de dégâts?
fait des dégâts. Il y a des réprouvés. Des réprouvés. Oh, c'est quoi ce truc? Oh, le stombin qu'il a pris dans sa gueule. Il reviendra pas deux fois, lui. Ah merde, je l'ai raté. On nous la fait pas, nous. Oh, la musique est un peu forte, hein. Ah oui, c'est... C'est un trip, quoi. On a compris, l'ambiance est glauque. Attends. Oh putain, mec, c'est un puzzle. Ah! Et du coup, merde. Tu t'es raté et ça on a spawn, encore plus d'ennemis. Putain, la musique au secours. C'est bon. Ok, calmez-vous. Allô ? Putain, j'avoue, la musique est un peu forte. Peut-être baisser alors juste attends, un peu la musique. Attends. Puzzle piece. Puzzle core. On a la musique. Mec ? Ouais. Je vais t'éclairer un peu, je crois. Ah putain, j'avoue. Ok. C'est des symboles, des trucs qui peuvent nous aider à. Il y a eu un bleu là. Un deuxième bleu ? OMG ? T'as deux bleus déjà ? Trois. What ? Attends. Je crois qu'ils indiquent l'ordre. What ? Oh non, mec. Non. Ok, attends. Faut attendre. Mais il y a déjà un problème, c'est qu'il y a trois pièces et il y a quatre trucs là. Ok. Ok, je pense que c'est ça. Oh ! C'était insane ? Ouais, c'est bidon. Oh, bidon. Faveur de l'endurance. Lampe sur pied en peau, mec, c'est insane. Vas-y, hein, libère. Oh, si. Olé, t'as vu ça, au fait ? Non. Ah oui, c'est les clics droits. Ouais, le dash, le... J'ai libéré la faveur d'endurance. J'ai aimé. Bravo pour cette faveur. Joli. Mec, on voit rien. Oh. Mais attends, il faut qu'on prenne un peu de... Mec, il faut qu'on prenne un peu de hauteur. Ouais. Je viens de voir une dingue. Ok, on peut bien grimper. Hein. Oh, wow, what the fuck, wow. Il y a des... Wow, c'est quoi cette planète là-bas? Ouais, c'est trop stylé. Oh, il y a une éclipse au-dessus de nous, on dirait. Et il y a des anneaux de Saturne de l'autre côté, c'est un délire. Le monde du jeu est magnifique, hein. c'est un délire. Ah, t'as vu, il y a des anneaux, au loin. Mais il y a tellement de planètes, par contre, c'est la folie. Hein. Ouais. Mec, il y a un volant, là. Regarde la chauve-souris. Ça? Dans ma direction. Elle vole, là. Juste au-dessus, au niveau des... Tu es aveugle? Ah, là, elle est partie. Elle est toujours en train de voler. Elle est genre gros nord. En tout cas, il y a du volant. Je l'ai pas du tout vu. Tu C'était une big chauve-souris. À part 200 mètres en dessous. On descend. Il fait froid, mec. Oh, j'ai cru qu'on était dead. J'ai vraiment cru qu'on était dead. Pareil. On arrive bientôt au marchand. I hope so. Oula, c'est cool. Ah. Oh, encore une porte rouge. Ça va être peut-être devant. Ouh, attention à pas glisser, j'ai l'impression. Ouais. Attends-moi, j'arrive. Comment ça s'appelle? Toutes ces planètes qu'il faut démocratiser, putain de fou. Bernard. La société, mec. Bonjour Bernard. Un survivant à proximité a besoin de votre aide pour terminer une structure. Aidez-le à terminer pour obtenir une récompense. Ah bah ouais. Faut l'aider à finir ça, je pense. J'ai l'impression. Attends, il y a Wilhelminia.
Oui, les Minimina. Ah, de la visite. Vous êtes la seule personne d'intérêt que nous avons pu rencontrer dans ce monde. Et votre apparition est une surprise plus que bienvenue. À qui ai-je l'honneur? Parlez à une personne extraordinaire. Je n'ai pas l'habitude de divulguer ce genre d'informations. J'ai fui la cabine. Vous parlez à une personne extraordinaire. T'as pris ça? Oh, bien sûr, j'aurais dû le voir immédiatement. Des mondérants talentueux qui ont vu du pays, voilà exactement ce que j'aime voir. On voit beaucoup de nouveaux visages dans les mondes ces derniers temps. On entend beaucoup d'histoires et c'est mon travail de recueillir ces histoires, voyez-vous. William Nyassas, chroniqueuse pour le meilleur journal, ok. Si vous avez besoin d'autres services, de matériel, nourriture, équipement, protection, mes compagnons ici présents pourront vous servir. Vous avez parlé de protection? En effet, un très cher collègue cherche toujours du travail et je sais qu'il est quelque part. Ils sont du genre discret, mais vous verrez que ce sont des ouvriers, constructeurs et combattants tout à fait compétents. Il ne dérangera pas de vous accompagner une fois leur travail terminé. Ah, c'est une quête! Tous les chemins mènent à Rossignol. Trouvez des survivants. Ils peuvent trouver d'autres survivants pour les aider à chercher Rossignol. Effectuez des tâches pour eux et vous pourrez les recruter dans votre groupe. Les survivants recrutés vous aideront à récolter des ressources, construire des structures et porter des objets et repousser les ennemis. Ah, on peut engager des bots. Let's go. Mais également choisir de doter les survivants d'un meilleur équipement pour qu'ils soient mieux préparés au danger. Ok. Faut recruter des Lydia. Vous pouvez activer l'utilisation de conteneurs de stockage. Ah ouais, putain, c'est trop bien ça. Comme j'ai découvert beaucoup de monde, je sais que nous pourrions arracher à chacun de bien belles histoires quand vous les rapportez. Ok. Du coup, t'as pris laquelle? Ça laquelle? Me semble assez raisonnable. Pourquoi devrais-je m'occuper de leur travail? Ça me semble raisonnable. Ok. Aurelio Acevedo Ortega au cours de mes voyages. Ok. Je sais pas, il me parle d'un mec. Ok, après c'est toujours la même chose. Ouais, je me suis trompé. C'est marchand pour... On a tout juste de fuir la caméra. Ce sera tout. Ah, t'as fini de construire du coup, c'est pour ça. Ouais, j'ai coffre fini magique. De oh. Ouais, j'ai pas ouvert par contre. 24 poussières d'essence. Oh la folie. C'est un peu de la merde, je crois. Hein. Il fait, hein. Y a Sam là qui vend des trucs. Ah ouais. Oh, tiens. Attends, par contre, il les vend. Il les échange avec de la poussière. Ah, masse simple. Canne à pêche. Ouais, parapluie. Ouais, je vais voir. Carte des mondes. Ah, il vend des cartes. Jouez cette carte pour aller directement dans le monde de Désuétude d'un joueur spécifique. Offrez-la à d'autres joueurs pour leur permettre de visiter votre propriété quand vous êtes hors ligne. Ça, c'est marrant, ça. Ah, mec, table de couture simple, 55. C'est ça qu'il nous faut. Station de mortier simple, ruée simple, fonderie simple. Mais après, est-ce que c'est des choses qu'on apprend ? On est obligé de les acheter ? Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ouais, bonne question. Parce que là, moi, j'ai 313... J'en ai 313, là, de lumière sur moi. Hein. D'essence ? Ouais, d'essence, ouais. Bon, bref, je pense qu'il faut, il faut en prendre un max, hein, ouais. Hein. Tu veux que je baille? Je baille tout ça? Ouais, en vrai, baille ce que tu peux, je pense. Vas-y, hein, je baille. Est-ce que je prends des trucs de carte monde? Je prends tout. Ouais, je prends tout. En vrai, je pense qu'il faut tout prendre. Les lumières, bon, ça, je vais pas prendre parce que... On s'en fout. Table... Ah ouais, attends. Construction... Bois rudimentaire, des éléments ajoutés, ça c'est autre chose. Raffinage. Table de sillage simple. Fonderie simple. Ah, j'ai pas assez. T'as des trucs toi là? Sur quoi? Raffinage. En essence. Ah, et fonderie simple, on prend ça? Ouais, je me suis arrêté à fonderie simple, j'ai plus rien, sinon j'ai acheté tout ce qu'il y avait au-dessus. Station de mortier simple, rouet simple, station de maçonnerie simple. Focalisateur. Pense à la couture. T'as pris la table de sillage? Oui, j'ai pris. Station de mortier. Tu la prends? Au pire. Oui, mais après, il faut qu'on voit en fait si on débloque des trucs. Mais j'ai plus assez de matière là. Ok. Parce qu'en fait, je me demande. On a quand même parcouru. Tu sais, on est parti loin. Si on faisait passer au début, tu vois, on était bloqué. Hein, genre, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est bizarre. Ah, j'ai recruté Bernard. Ok. J'ai réveillé. Bienvenue Bernard.
Et là, la question, c'est est-ce que ce que j'ai débloqué, tu l'as aussi, quoi? Non, je crois pas. Parce que je pouvais l'acheter. Donc là, moi, je peux faire la table de couture. Tu peux pas, toi, je pense. Construction. Raffinage. Ouais, j'ai des trucs. Fabrication. Raffinage. Toi, tu peux pas faire... Enfin, ouais, il y a des trucs que tu peux pas faire, du coup. Ok. Oh, on peut faire un repos long, mec. Ah, sur un grand livre. Ah putain, j'avoue que j'ai masse de trucs maintenant, moi. Tu veux qu'on fait un repos long plutôt que se taper la nuit, parce qu'à mon avis, ouais, la nuit... Je suis d'accord, je suis d'accord. Attends. Allez. Repos long. Quel plaisir. Ok. On va en profiter pour dormir aussi. Il y en a 8 heures. Hein. On attend 8 heures. Bah ben voilà. Tac tac tac. Ouais, du coup, moi j'ai débloqué pas mal de trucs, j'ai l'impression. Genre là, en raffinage, je suis à 10 10. Objet simple 11 11. Objet de fortune 6 6. Cuisine 4 4. Carte des mondes 4 4 aussi. Et après, 4 4. Enfin, est-ce que ça veut dire que c'est des cartes qui vont nous permettre de changer le monde et aller farmer ça sur autre truc? Enfin, tu vois, il y a. Ouais, je sais pas. Yes, yes. De toute façon, on avait pas mal de trucs. Sachant que là, du coup, c'est une balise. J'ai vu qu'il y avait, en fait, il y avait une porte en haut qui était. Est-ce qu'elle est verrouillée comme tout à l'heure? Ouais. On pourra pas accéder encore ici. On retourne à notre base? Première étape de l'initié. J'aurais bien aimé prendre une canne à pêche. Ah, il y a un bâtiment là. Bah après la canne à pêche, si tu veux, je peux te la craft. C'est vrai qu'en il fait, il y a juste à ramasser du stuff et le daze. Hein. Oh, j'ai trouvé un porc. Oh non, il fuit. Oh, il m'attaque. Canne à pêche. Il faut... Bah, il faut de la fibre animale, des ossements et des fagots de bois. Ça les bûches, quoi. Où ce côté. Ah, super utile, Bernard. Je suis en train de me taper à côté. Est-ce que tu as vu qu'on avait un truc genre illumination en cours? Quoi? Par là où t'es là. Enfin, un peu plus en avant, sur la carte, il y a un truc en mode occupation en cours. Occupation? Ça me plaît pas ça. J'aime pas ce mot. Bah écoute, c'est là où tu étais, donc je sais pas trop ce qu'il t'aime. Je sais pas, nous on est avec Bernard là, on... Ah ouais, je vois, mais c'est juste devant. C'est parce qu'il y a des monstres, ça doit être ça. Ouais. Et en gros, faut que... C'est peut-être la quête en vrai. Hein. Elle est pas mal la faux au niveau moveset. Oh, le gros 54 là, il a pris dans sa gueule. Ah, gueule. Ok. Ah, découverte de bougies simples. C'est quoi ce gros boom là? Ça, en fait on a clean et du coup la statue ça a ouvert la porte en dessous. Et donc là il y a encore un truc à avoir, on a libéré la faveur de l'envol. Ossement, Everheart. Faveur de l'envol? Vas-y, vole mec. Faveur de l'envol. Je sais pas où les lire par contre. Genre là, en fait à l'intérieur elle avait la faveur de l'envol, mais du coup j'ai juste cliqué. Oula! Ah, what the fuck! Quoi? Derrière moi? Oh, il vole! Ah, moi j'ai faveur de l'endurance. Une endurance de fou. Attends, mais du coup tu peux aller en hauteur là? Ah oui, tu peux aller sur la plateforme? Incroyable! On a des super pouvoirs en fait. Ah, c'est un monde de plein de magie. Non, je vais voir ce qu'il y a là-haut, les coups. Ah merde. Vas-y, moi je vais chasser pendant ce temps. Faire un truc important. Vas-y, chasse. Mais... Une pensée positive. Bien, je l'arrête. Mais meilleur, film. Je peux pas aller plus haut en vrai. Il esquive mes balles. Oh, je lui ai mis un 1160. Ok, il y a les sneak attack.
t'arrive. Oh là là. Oh, tu j'aurais mis un double headshot. Vous avez plus besoin de moi en vrai. Du coup t'es allé tout en haut. Je pouvais pas plus parce qu'en fait j'étais pas bien balance. Il m'en manquait un petit cran mais je pouvais pas monter tout là-haut. Ok. Il y avait un peu de solide là encore. En tout cas, Bernard, il aime bien couper des arbres. Ben, bravo à lui en vrai. Il est bleu, trop bravo à lui. Oh, j'aime bien ce que je vois. Ah, moi j'aime bien aussi, hein, j'avoue que c'est joli. Oh, j'aime bien. Tu vois ou pas? À l'aventure! À l'aventure! J'étais à côté de toi, t'as juste disparu. Boink. Putain, c'est trop bizarre. Une pensée positive. Boink. Ça va, mec? C'est vraiment pas une pensée positive, là, par contre. Non, c'est pas une pensée. Saloperie de merde. Saloperie de merde. Il donne quoi, là? Je sais pas. Ah, attends, ouais. Ramasser chitine. Oh. De la chitine, la merde d'insecte. Bon bah mec, vas-y hein. Une pensée positive. Non mais je rêve ou il y en avait une autre morte là. Ah bah non, on l'a pas vu alors. On avait un indice quoi. Alors vraiment là du coup à l'aventure là d'un coup moins hein. Moins l'aventure. Oh. Un peu moins l'aventure hein, mais bon, on va en dire. Il y a tellement de trucs à... Mec, ça m'énerve, j'ai des trucs qu'on peut pas miner, ça m'énerve. Voilà, je te le dis. Ah. Il faut vraiment qu'on chope et qu'on aille craft des pioches qu'il nous faut. Ah oui, j'avoue. Les ok, 40, il va falloir reculer aussi là. Fort. Oh non, la musique en plus avec les petits. Ouais, il y en a devant là. Il y en a devant, attends. 80, ok. On peut les tout. Ah, on peut les tout tap, Ah bah vas-y, on se met tous les deux. Oh merde. Ah putain, mais elles vont si vite, c'est horrible. Ok, nice. Ah, t'as plein de sang d'araignée, t'avais plein de sang d'araignée sur la gueule. Attends, y'a un truc là ou pas? Non, c'est bon. Bon bah allez hein. Putain, on tombe à chaque fois de tout. Oh, j'ai eu un truc. La chitine, de toute façon, ça nous sert à pour les crafts, hein, donc c'est super intéressant déjà de on pouvoir ramasser ça. Chitine. C'est la chitine, jamais... mais moi c'est vrai que moi je dis tout le temps chitine. Moi mais... aussi je disais chitine, on s'est moqué. Mais c'est chitine, ouais. Bah, les gens se moquent, hein, mais bon. C'est sur Valheim, je crois. Après, je dois t'avouer, c'est t'es français, tu devrais savoir, mais fais. Alors, feu 3. Eh bah, yes. Feu 3. Ah, y'en a une deuxième. Feu. Hop, oh, ça, c'est bon, voilà. Si vite, c'est abominable. J'avoue qu'elle, c'est horrible. Alors, on est alien, désolé là. Pour les arachnophobes dans le chat, j'avoue qu'elles sont bien. En vrai, c'est pas des araignées, vous inquiétez pas. Tranquille. Bah, non, ça existe pas des araignées comme ça. Et donc, oui, ça n'existe pas. À part en Australie, par contre. Bernard, en tout cas, il trouve ce mur excellent. Ouais. Attends, quoique, il y en a l'île de la Réunion, j'en ai vu les araignées au secours, hein, vraiment. Ouais, la Réunion, c'est énorme. Attends, mais là, je peux pas avoir de pensées positives? C'est fini? Oh non, c'est chiant. C'est fini les pensées positives. Bah, depuis qu'il y a les araignées, mec, les pensées positives. C'est vrai, terminé. C'est vrai. Bon, mais du coup, c'était juste du ferme de chitine. J'ai l'impression. Ouais, c'est tout, c'est un peu bon, décevant. En plus, les gros minerais qu'on peut pas taper, quoi. T'es sûr? On est sûr qu'il y a rien d'autre? C'est vrai, bizarre. C'est des tyrannides, mais pas tranquille. Des terminides, mec. Les terminides, ils sont là. On leur a apporté. Je sais pas, j'ai l'impression ce truc mec, en haut là. Mais j'étais là. Là, là j'étais en haut là et j'ai voulu appuyer sur contrôle. Ah. Pour plonger et me péter la gueule. Bien joué ça. Crois-moi, c'est alt, hein, c'est pas CTR, t'es bizarre quand même. Bon. Toi le dive c'est alt? Ouais, c'est alt. Ouais, moi j'arrive pas à alt, c'est trop moche. Ah. Oh, il y a une structure là-bas. En train de dire que je suis non mais c'est juste c'est bizarre, tu sais ton pouce il fait un truc bizarre. Alors que diver c'est tellement, tu le spammes tellement pas confort je trouve. Hop. Il y a un loup là. Vas-y tu. Dans le jeu. Donne des. Et tu la one tap ou quoi? Non je l'ai pas. Ok, il y en a d'autres, Oh le 120. Ouh. Oh là, les 3-6. Ouais, ils s'arrêtent vraiment de bouger quand ils ont fini leur attaque.
Il y a quelques bêtes à la Réunion. Non mais oui. Vite fait, hein. Les araignées, vite fait, hein. Peut-être pour ça j'irai jamais, mais bon, tranquille. C'est quoi ça? Ça, c'est du bois. C'est juste du bois? Non, ça a l'air bizarre, mais... On peut rien faire avec ça? Bizarre quand même. Sans qu'on peut rien faire avec ça. Ouais, c'est juste pour la déco. Là, il y a des billes. Ah, il y a vraiment rien, c'est juste une déco. Pendant ce temps, Bernard abat des arbres. Est-ce qu'on peut nager dans ce jeu? On peut nager. Tiens, Bernard. J'ai envie d'aller en face, là. Bah écoute, vas-y, mec. Hein. Vas-y, je tente. Ah, attends, j'ai plus d'énergie. Est-ce que du coup, je vais couler? Probable. Oui, je suis en train de me noyer. Oh non, pas comme ça. C'est bon. Oh, tu peux faire le tour. Non, mais bah, je cherche à avoir pied. Ouais, surtout là. L'eau est vraiment belle. Hein. Ah, Bernard, c'est... Ah, Bernard... Oui. Oula. Non, ça va Bernard, pas il sait pas trop il a du mal, à quel il a plan du mal. D'existence il appartient. Oula, Bernard, vraiment. Il triche Bernard là, non fatigué. Il triche un peu, Bernard. Oula. Oula, est-ce qu'on va... Non, on peut pas sauter, mec. Ça va, j'ai pied ici. Je te noie pas, hein. Vas-y, essaye. Comment t'as fait? J'ai pas pied, moi. Il y a vraiment un petit spot. Je l'ai pas, je l'aurai pas. Oh putain, c'est je bon, l'ai. Bon. Oh putain, j'étais à 4. Et Bernard, il en est où? Eh ben Bernard, il a... Bernard, il escalade la montagne, il s'en bat les couilles. Bernard a pas le temps. Ça va, il y a la plage, là. Et on exploite. Eh non, on exploite pas. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a plein de structures super jolies comme ça. Là. True. Ah, des baies fraîches. Il y a mes baies, là. Yeah. Oh, il y a encore une grotte au-dessus, regarde. Mm. On peut pas ping? Non. I've been spotted. Oscar Mike. Le mec, il ping. Le ping Apex, là. Ah oui, je la vois, la grotte. Bernard en mode cheval de Skyrim, mais j'avoue. Alpha? Oh là, il est bizarre cette araignée. Oh, il a beaucoup d'HP, Alpha. Tranquille, ça va bien se passer. J'ai pas une précision de fou, là. Là, je touche sur du 5, mec. Ok, c'est cool. Ok. Vas-y, dépêche-moi ça, là. Il tombe, faut le dépecer avant. Vas-y, je le ramasse. Alors, on a quoi? C'est du cuir de prédateur. Ça a l'air d'être le même cuir pour tout le monde, en vrai. Ouais. C'était un ours tutti-frutti. J'avoue, il avait une couleur spéciale. Tutti-frutti. Chelou l'ours. Allez, qui va avoir peur en premier? Bah, ça va être des ours, pas des araignées, là, théoriquement. Je sais pas. Peut-être que l'ours est pote avec les araignées. Oh, je pense pas. Oula, ça vient de respawn devant moi. Ouais. Oh, il a raté. Bien joué. Il y en a encore une qui arrive derrière. Ouais, c'est bien joué. C'est bien d'être deux contre elle. Hein. Ah oui, j'aime bien. Pas des araignées. Bah, c'est dans le jeu, les amis, c'est dans le jeu. C'est pas chez vous. Ok. Y a un ours qui vient de spawn. Non. Ok, c'est toi. I'm not dead. Mais bon, on a eu l'ours avec Bernard. Eh hey, Bernard, Hectorian, il a bien I'm not dead. It's ok. Amir. Excellent. Allez, une pensée positive. Excellent. Il me reste 44 munitions. Il t'en reste beaucoup d'ennemis, toi? Il me reste quelques trucs.
je sais, attends, je sais pas exactement, bruit, en fait, faudrait que je recheck. Ok, I killed two of spider here. Il me reste 17 balles, voilà. Oh mais ça va, y'a pas de dégâts de chute en fait. Oh tranquille, alors économise pour les... Les araignées. Les araignées et les ours. Ah mais je me suis fait mal aux jambes par contre. J'ai une jambe cassée mec. Ah ouais? Ouais. Bah plus sur V hein. Attends, je vais voir si je peux me soigner. Ah oui, ça marche. Parfait. Le bandage soigne et te met un buff de régénération de santé. Ok. C'est tout? Un peu vite cette grotte. Ces grottes, elles sont un peu vite, c'est dommage. Je pense mec que c'est ça qui est super important aussi, tu vois, le minage je pense. Ouais, ouais, c'est pour farmer les minerais. Tu vois, genre ça là, ces cristaux là, on les a pas vus à l'extérieur. Il doit y avoir des trucs qu'on peut avoir qu'en intérieur. Je vais repasser un peu en vue FPS là. Je pense que pour l'arbalète c'est quand même pas mal dans la vue FPS. Tu l'as vu où le mode arachnophobe, c'est dans le jeu, on est d'accord hein? Ouais. Ouais, ouais. Parce qu'il y a des gens qui sont en mode oh non mais pas les araignées barbidiers. Donc oui, vous pouvez changer, vous inquiétez pas. Oui, oui, il y a un mode arachnophobe. Bon après il y a des trucs en... Tu changes le mode, ça fait encore plus peur qu'une araignée. Alors moi je me souviens Grounded c'était pire. Ouais, c'est pas des têtes de gros chats ou je sais non, pas quoi. Non, c'était des grosses bulles. Des grosses bulles, des grosses boules avec des yeux. Mais le problème de Grounded c'est le sound design. Le okay. Son des araignées est abominable. Okay, okay. Genre ça fait ça, t'es en mode ah oh, t'es tellement agressé par le son, c'est horrible. T'as joué à Grounded si... Bah j'ai joué qu'une fois, donc vraiment la sortie, puis j'ai pu jouer. Ok. Donc je connais pas du tout en vrai. Jeu de fou. Vraiment excellent Grounded. Bon allez, on rentre au bercail. Yes sir. Je suis en train de voir, en fait vous voulez... Il faut vraiment qu'on se crafte des pioches améliorées pour voir ce que ça donne. Ouais, oh, toi, c'est quoi? C'est bizarre ça. Oh, il y a des sangliers, mec. Ah, nice. Ah, bah il s'est fait one tap, le sanglier. La fuck. Ah, tu l'as sneak attack? Non, non, je lui ai mis 120 dans la tête. Je t'ai KS. Ah, j'ai vu. Hein. Plus jamais. Oh, Bernard, il est. En fait, le problème, c'est que Bernard, il tape, mais il fait pas de dégâts. C'est semblant, mais. Oh, tu sens one tapped. 120. Putain, mais Bernard, à chaque fois, dès qu'il peut, il défonce un arbre, quoi. Par contre, je suis désolé. Mais... Ah, mais tu vois, genre ça, pareil. Genre, c'est la première fois qu'on voit un arbre comme ça. Et on peut pas piocher ce qu'il y a autour. Je vais craquer mon cerveau. Oh. Oh, mec, c'est quoi ça? Regarde la créature là qui te court dessus là. Hein? Regarde la créature là, les créatures là. Et qu'est-ce que. Ça va, Juice? Quoi? Ah non, mais regarde! Oh, what the fuck, c'est quoi ce truc? Ah oui, c'est un petit bah, chat. Bah, c'est ça que. Un petit chat et il fiance. Qu'est-ce que c'est? Paf! Vas-y, analysons. C'est vraiment les typicales humains, c'est vraiment. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh, ça donne de la poussière, ça donne de la poussière, c'est des fées! Ah bah, c'est. Ah ouais. Proie, c'est des proies. C'est pas des trucs agressifs. Ouais. C'est nous qui sommes agressifs. C'est chiant, ah, les pauvres petits chats, c'est des chats. Trop c'est des chats. Je suis trop... C'est des chats magiques, on les assassine, mec. Ça me dégoûte d'être si agressif. Vas-y, c'est bon, petit. T'es vraiment... t'es un monstre. Ouais, mais ça, ah, y a un truc, là. Il y a pas le... Y a un puzzle, je crois. Yes, je te laisse faire parce que t'as l'air super doué. Ouais, je suis un peu le cerveau du groupe. Quoi? Vas-y, je vais récupérer ça, moi. Hop, première gemme brute, charme. C'est quoi celui-là? Le charme remplit une partie de l'endurance, c'est celui qui le porte. Oh, let's go, ça me plaît. T'es si fort. Oh là là, je suis froid. Oh, je sais pas comment tu fais. Froid. Non, rien, pas de problème, mec. Hein. Merci, mec, merci. Vraiment, c'est la folie, quoi. À faveur de l'envol. Putain, l'envol! Pensez positive! C'est trop bien. C'est trop bien. Ouais, on se casse. Ah non, mais du coup, attends, mais ça dure combien de temps? Ah oui, mais il y a le buff est au-dessus de la barre de vie. C'est positive. Trop cool, ça, comme idée.
Moi je rentre à la base, hein, ça va aller vite. Oh, c'est pas de toute façon, la base est à 178 mètres en effet. Donc. J'aime trop l'effet que ça fait, le saut il est trop bien fait. Est-ce qu'on a assez de cuir pour pouvoir. On a ramassé pas mal de cuir, on est ouais, d'accord quand même. Moi j'en ai beaucoup, hein. J'en ai vraiment beaucoup. Ok, là. parfait. Comme ça on va pouvoir se craft un petit début de quelque chose. Mec, il y a un bateau là. Oh. Alpha, plein de nord-est, il y a un bateau. Super de Alpha. Attends, je suis en train de me faire bolosser par des loups là. Ah. Ah, il y a Bernard qui m'aide bien là. Let's go, Bernard. Bernard, il caille. Mais est-ce que je prends des... Bon, l'envol, c'est trop cheap, hein. C'est trop bien, l'envol. En fait, tu prends même pas de dégâts dessus. Bah oui, c'est vraiment tout en douceur. Yes. Ah merde, mon inventaire est trop lourd. Bernard ! Tu donnes des trucs. Ouais, c'est ma mule. Ah, super. En vrai, c'est trop pratique. Quand est-ce qu'il se finit le buff? Ah oui, on voit en bas à gauche. Yes, sir. C'est trop bien. Ok. C'est vraiment agréable. Mais meilleur buff. Quelque chose de plus, ça a l'air d'être un truc qui appartenait au bateau qui est là-bas. Spouiou! Le bateau est nord-est, hein, si jamais. Bord de plage. Je rentre à la maison. Oh, le mec. C'est bon, je suis à la cabane. L'animation me fume. Tadaima! Alors, on va crafter les trucs. Et t'as vu, c'est un peu de camp. Table de couture. Et pénètre dans les ténèbres de l'autre côté. Blablabla. Ok. Il est où Bernard là? Bernard. On peut pas lui donner des ordres? Peut-être que je lui fasse un lit, tiens. Tu fais un lit à Bernard? Ah ouais? Quand même, c'est la moindre des choses. Fibre et branche. C'est mon valet, Bernard. Oh, le seigneur là, ça y est, il a son valet, il est heureux là. T'es pas heureux qu'on ait un valet? Seigneur et Colin, c'est pas mon valet, hein, c'est le tien. Hein. Ouais, mais il va te rendre service aussi. Bah, il est jamais avec moi. Hein. Ouais, mais. Parce que tu lui fais peur. Ouais. Votre inventaire est trop lourd. C'est un peu chiant d'être dislord quand même. Ok, je lui ai fait son sac de couchage. Parce que je suis un mec bon. Ah. Je vais nous faire. Je vais mettre de la viande. Par contre, c'est dommage que ça ne prend pas tout. Hop. Allumé. Fonderie simple. Des bûches, j'ai l'impression. C'est quoi ça chie? Ah mais putain, mais trop marrant, comment c'est la kitine là? Oh! Station de mortier simple. Après j'ai pas vraiment besoin de faire ça, ouais. Hop. Je fais un petit AFK bio, j'arrive après. Ok. Ouais, viens tout. À toutes. Là, niveau stockage, on est bon. Niveau survie aussi. Voilà, on est tranquille, hein. Kiolet simple. Déplacer dans le contenant. Peut-être faire à cuire des trucs. Enfin, les choses à cuire serait peut-être pratique. Ce serait pas mal.
chitine, imprégnation, encombrement, ça j'avoue que j'aimerais bien le faire. J'aimerais beaucoup le faire. Oui. On va se faire des petits plats. Viande rôtie. Hop. C'est parti. Il y en a pour combien de temps encore oh, 11 minutes, ça va. Ok. On peut prendre les affaires de Bernard dans son inventaire. Oui, on peut, on peut. Bernard. Ah oui. Comment il fait Bernard pour se déplacer depuis tout à l'heure? Sacré, sacré bonne jambe Bernard. Sacré gars. Le mec est impressionnant. Ça dans le coffre. Moi, l'option que j'aime trop dans les jeux de survie, c'est quand on peut mettre... quand on peut crafter des trucs sans avoir besoin d'aller piocher dans les coffres. Ça, c'est trop bien. C'est trop, trop bien. Prends son sac. Ah, c'est vrai qu'il a un sac à dos. Oh, il a un sac à dos. Oh oui. Donne ton sac. Merci pour le sac à dos, gars. Oh là là, la vie. Oh, c'est la vie. Comment est-ce qu'on en craft? Faut que je fasse un sac à dos pour Juice. Ça, c'est la vie. Du bois d'œuvre. Ça, il faut bloc de pierre et pierre. Fonderie simple. Combustible. Fil métallique, lingot. Lingot récupération, manche, des outils anciens utilisés. Ok. On va éteindre. Et ça, il faut du bois d'œuvre. Je sais pas comment on fait le bois d'œuvre. Excellente question. Mais attendez, la table de couture aussi, j'ai pas vu à quoi ça ressemblait. Oh, on peut se cra... Ah, c'est peut-être là qu'on peut se faire un sac à dos. Non, on peut pas. Des bras, il faut du cuir et des fibres végétales. Il nous faut beaucoup de cuir. On va commencer à travailler le cuir. Le cuir. Ok. Allons-y pour le cuir. Donc ça va nous faire du cuir. Allons-y. C'est bon, on a fini de cuisiner. On va faire d'autres d'autres petits plats. Allez, c'est parti. Ça prod, ça prod. Ça prod bien. Hop. Voilà. Ça bosse, ça bosse. Le cuir, on est comment? Bon, il y a encore un peu de taf pour le cuir. Il nous faut des fibres végétales, je vais aller en chercher dehors. J'ai l'air vraiment bien. Très honnêtement, c'est super agréable. Enfin, moi pour le moment, je m'amuse beaucoup. Le jeu est vraiment très agréable à parcourir. Et puis la perspective d'explorer les autres mondes avec des cartes différentes et tout, me plaît beaucoup. J'imagine que le truc un peu tricky, c'est à chaque fois de voir un peu recraft ta base quand tu changes de monde. Je sais pas comment ça marche là-dessus. Parce que le jeu s'arrête pas à juste bêtement, t'es dans un monde... avec plein de biomes à dispo. Là, c'est tu passes de biome en biome, tu changes de monde au travers du concept des cartes. Hop, de monde. Heureux. J'ai volé le sac de Bernard, mec, ma vie a changé. Ah. Ok, tu pouvais lui voler son sac. Ah oui. Ouais, ça nous met bien. Là, j'ai 90 de capacité maintenant. Ah oui, c'est pas dégueu. C'est pas mal. Tu fais quoi? Tu ramasses le bois, là?
Ouais, là je suis en train de nous cuisiner toutes les viandes et je suis en train de tanner toutes les peaux là. Attends, est-ce que tu... Je vais peut-être mettre des trucs au sol que tu n'as pas du coup pour pouvoir les crafter. Dans les coffres. Non, tu sais, des trucs aussi que moi j'ai acheté. Quoi? Tu sais, j'ai acheté des trucs. Que toi t'as pas peut-être. Tu sais, tous les trucs que j'ai acheté en construction. Ah oui. Parce que tu veux dire. Genre la table de sillage simple, tu vois, par exemple. Je vois. Ça, tu l'as pas, je crois. Tiens. Tiens, pantalon pour toi devant moi. Let's go. Attends. Ça, stockage, table de raffinage, placé. Que je vais la mettre là. Tu la vois là, c'est bon? On va poser des trucs. Ah oui. Oh, 20. Ok, je vais aller couper du bois. Ça marche. Moi, je nous fais tous nos vêtements là. Un sortiment de plantes. Je fais juste un tour par rapport à ce qu'on a acheté. Oh, la gueule des brais. Ça se voit que c'est des brais de niveau 1. Le jogging stylé. Base des réparations. Établissement, on s'en a. Propriété. Ça c'est good. Si tu veux, pour la canne à pêche, c'est un fagot, deux fibres animales et un ossement. Un fagot? Ah oui, deux fibres et un ossement. Bah on peut, ouais, tu peux le craft, ouais. Tu peux. On a ce qu'il faut. Hop. Si t'as pas assez de fagots, demande à Bernard. Bernard! Non, il est très sympa. Attends, il y en a ici. Et du coup, des trucs de... Attends, c'est quoi? C'est la peau animale là? Ah non, il faut de la fibre animale. Ouais, la fibre animale, on a ça? Je crois pas. La fibre animale, je ne sais pas comment on en fait. Peut-être dans le truc de Tanner. Ah oui, si, c'est là où on peut en faire. Avec de la viande. Ok. Comme ça. Je vais en fabriquer plein. On verra. Fibre animale. Écoute, j'en vends ceci. Hein. Je vais quand même balancer des trucs à manger ici. Hop, fabriqué. Tiens, j'ai une chemise pour toi. Hop. Merci. Ok. Comment t'es allé dans les menus de Bernard, mec, pour lui prendre son sac? Tu lui parles et après tu choisis le truc. Ok. Tu peux lui parler? Bah en fait il faut que je le... Enfin je sais pas trop. En fait je peux juste... Il se stoppe un peu mais il parle. Il est sans emploi là actuellement. Il est sans emploi? Mais oui mais je sais pas comment lui... Faut peut-être construire un bâtiment. Je sais pas trop. Peut-être qu'il est vénère, tu lui as pris son sac. C'est possible. Ah, ouais. Après niveau des fringues, je sais pas si on peut lui voler ses fringues hein, ce type. Ah, le cuir ça prend du temps. On va manquer de cuir. Ouais on va clairement manquer de cuir. Ouais on va manquer de cuir. J'essaie de voir si on peut trouver un autre. On peut trouver un spot. T'as pris tous les trucs de, les buffs là? Les trucs de quoi? T'as pris toutes les bûches sur toi ou pas? Juste pour savoir. J'en ai 4. Ok. C'est bon, j'ai récupéré. Je vais voir un peu. Ok. Établi simple. C'est sur ça du coup. Canne à pêche. Oh là là, triple one tap là. On peut pas faire un truc automatique. Utilisation 20. D'accord. Alpha? Ouais. T'es où? Je suis en train de faire du cuir vite fait là. J'ai tué trois petits sangliers qui traînaient. Pendant que Bernard défonce tout ce qui bouge. Tiens.
Ah, canne à pêche. En vrai, va la tester, hein. Moi je suis en train de finir de gratter des trucs. Vas-y, il faut que je trouve de surtout l'eau. Surtout que c'est toi le pêcheur entre nous deux, hein. Surtout toi. Hein. C'est vrai, j'avais aimé, je voulais. Hein. Je vais check comment on fait ça. Parce que, bah, du coup, je sais pas trop, astico ou pas. Faut que tu m'emmènes cet été. Hein. À la pêche là. À pêche là. Ah ouais. Chaud de pêcher, moi. Bah, cette fois-ci, ouais, on ira vraiment. Hein. Petite semaine là, Warhammer sur table, pêche le soir. Oh là là. Ah ouais, ouais. En vrai. Ah, oh, je peux te faire un sac. Oh là là, le matin, petite pêche là, je le vois déjà de là. Le matin, pêche et le soir, petit Warhammer. Bonne journée. Astra Militarum, Tau plus temple, Black Templar là. Oh là là. La bonne journée. Oh, j'en ai eu fou. Alors du coup, est-ce qu'on peut jeter ça à l'eau ou il nous faut des trucs? Feutre, c'est quoi? Non, c'est de fou là. Ok. On est à 10 sur 20 en score d'équipement. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, il pleut. Oh, il y a gros temps là. Oh. Quoi? En vrai, la pêche a l'air insane. Hein. Ah ouais? Ouais. Tu sais faire du bois d'œuvre? Du bois d'œuvre? Ouais, c'est une ancêtre qu'on n'a pas découvert. J'ai pas acheté ça, j'avais pas. Ok. Tiens, je lance 6 points. Par contre, là, du coup, je sais pas trop comment faire. Là. Je te fais un sac. Trop bien, mec. J'essaie d'attraper une truite en arc-en-ciel, là. Arc-en-ciel, pardon, mais. C'est très bizarre ce qui se passe entre elle et moi. Ok. Ah, vas-y, je vais venir te voir. Et du coup ça... Ah, je l'ai pas attrapé en fait. C'est où? Ah, je suis ouais, je suis... Ah. Attends. Merde, il y a de la grêle. Ouais, il y a de la grêle. Mon crâne. Ah putain, le problème c'est que le parapluie il sert à rien contre la grêle. J'étais sur le point de venir t'apporter un parapluie, mais... Ah. Il sert à rien contre la grêle. T'inquiète, ah et mon crâne! Il faudrait penser à faire du coup. Je vais pas faire un truc que fait en me cachant en dessous. Là. Ah, mon perso il prend cher de la grêle là. Nightingale! Là c'est Nightingale. Nightingale, ouais. Clairement Nightingale. De la fibre par pitié. Fibre végétale. Putain, je me fais atomiser! Hein. Plus de dégâts que les automatons, quoi. Non, y'a rien. Si, qui... si. Non. Si. Tu mens. Y'a rien qui fait plus de dégâts que les automatons. Arrête. Ça n'existe pas. Tu dis ça parce que t'es énorme. Faut vraiment que j'apprenne à bien se faire correctement. Il grêle encore, bordel. Mais en fait, ouais, je me demandais si je pouvais pêcher depuis l'abri, mais je pense que je suis un peu loin de l'eau. Ah, pareil. C'est vrai que c'est un peu loin de l'abri, là où t'es. OMG. En fait, quand t'es sous des arbres, c'est pas grave s'il grêle. Bien fait, ça. Je pêche sous mon taudis, mec. Sous ton taudis. Ça me rappelle, tu te souviens, la cabane de pêche que j'avais fait sur Valheim. Je me souviens de ça. Moi, il y avait des un trucs. Grand moment. Y'a un truc qui. Je comprends pas comment. Est-ce que c'est parce qu'il casse la ligne ou.
J'arrive pas à attraper. Je me bats comme un fou contre le poisson, mais j'arrive pas à saisir le mécanisme. Ok. Ça m'énerve. Je vais venir te voir. Merde, j'ai mangé de la viande avariée, je crois. GG, mec. Je répare mon stuff. Oh, je l'ai eu. Alors là, j'en ai vraiment aucune idée. C'est foutu, hein. Je te rejoins. Allez. Hein. Comment il va, Juice, le pêcheur? C'est pas, mec, je me bats, là. Hein. J'en ai attrapé une, mais là, c'est... En fait, c'est un coup de chance. Hein. J'ai attrapé un coup de chance, j'ai envie de dire. J'arrive pas du tout à... Ouais, non, tu vois, genre là, je l'ai perdu. Putain, t'as ton petit tipi, là, carrément. Regardez-le, ah là. Ouais, je me suis mis en dessous. Tiens, en fait, regarde. Je fais ça, là. Regarde le lancer, là. Et là, je me mets là. Oh ouais, t'es bien, là. Et là, tu vois, il y a le poisson qui va arriver. Hop. Oh, il est si calé, quoi. Tiens ton sac. Merci. Mais ouais, en fait, bah, tu vas tester, comme ça au moins peut-être tu vas me comprendre. Ouais, parce que, en fait, je me demande, c'est vraiment... Putain, j'ai l'impression que... Ouais, non. Attends, bah vas-y, teste. Hein. Lâchez. Tiens, vas-y. Échange. Ah ouais, le sac, là. Mais je peux pas crafter un comme le mien, c'est celui de... Mais non, mais malheureusement, rigole. Là, ouais, il est pas sérieux, aussi le ouf. Sac, là. Il est pas aussi performant, ouais. What the heck, le sac, là? Attends. Come on, man. Come on. Alors, tu fais quoi? Alors là, tu lui restes appuyé clic gauche et tu le lances. Enfin, tu peux rester. Mais là, tu vas voir, le poisson va arriver. Ouais. Truite, arc-en-ciel, je clique. Ouais. Mais là, bah, bonne chance, je sais pas trop quoi faire. Ah, ok. Il va remonter jusqu'à la maison, là. Putain, au secours. What the fuck. Pêche ça ou pas? Je sais pas, je vois pas, moi. C'est quoi, là? Je sais pas. Attends, je réessaye. Ouais, juste envoie-le devant toi sans rentrer dedans. T'attends juste, le poisson va arriver et c'est feu. Hein. En tout cas, j'ai réussi à en attraper un. Deux poussières d'essence. C'est vraiment naze, hein. Ah, je l'ai eu. First try. Quoi? First try, j'en ai eu un. Vas-y, je quitte. Apparemment, je suis meilleur à la pêche que toi, hein. J'ai l'impression que ton endurance est tombée à zéro, que tu as perdu le poisson, tu avais une barre jaune qui descendait. Ah, peut-être, ouais, l'endurance qui fait que... C'est vrai. Mais en fait, quoi, faut pas trop forcer, en fait. Mec, pourquoi t'es de dos, là? Comment tu pêches, écran, là? Ah ouais? Ah bon, moi, genre, tu regardes la forêt, là. Ah bon? Ouais, ouais. Il est en train de pêcher, chat, là, regardez. Petite tache de gueule, là. Putain, mais... Bizarre la pêche. Poisson de mort là. Dans quel pays on pêche comme ça déjà? Après, one tap les poissons. Bon, par contre, les mains là. Ah, en fait, faut gérer ton endurance par rapport à celle du poisson. Ok, en fait, ton endurance, si elle tombe à zéro, tu lâches. Okay. Et hop là, deuxième poisson. Vas-y, attends, je te rends la canne à pêche. En fait, non, c'est pas trop compliqué. Hop. Ok. En gros, faut être smart. Ok, mec. Non, je rigole. Il a dit en vraiment gros... ça. Non, en gros, c'est tu jettes, et dès que tu vois un poisson, tu cliques. Et en fait, faut drainer le truc sans que la tension aille trop loin. Et en fait, faut que la barre de PV du poisson soit réduite à zéro pour que tu l'aies pêché. Et une fois qu'elle est à zéro, c'est bon. Mais en fait... Ah, c'est bon, rien bah de voilà, là. Mec. Ah, oh, c'est bien ici. Regarde ce lancer là. Oui, ouf. Oh la dingue. La ligne est trop loin, mec, t'imagines? Raté. Ah, je me demande la s'il y a ligne des est lacs. Juste trop loin, quoi. Mais regarde, il y a un lac. Hein? Peut-être qu'on a d'autres poissons dans le lac. Y a des chances, je pense.
Je vais un peu regarder à quoi il ressemble. Oui, en fait, c'est super facile de pêcher. Ouais, ouais, ouais. Moi, je me prenais la tête pour rien, en fait. Le seul trap, c'est... Genre, moi, j'avais un poisson niveau 30, là. Et en fait, j'allais avoir plus d'endurance. En fait, juste, tu lâches et ton endurance remonte. Et mais l'endurance du poisson remonte aussi, mais elle remonte pas aussi vite que la tienne. C'est quoi ça? Recharge de conseil. Notre première carte, ouais, la peur raison. Nous aveugle et le chemin. Okay. Pour styler les artworks aux yeux. Le gameplay pêche, en vrai, il est plus compliqué. Enfin, il est un peu plus élaboré que la plupart du temps. Mais celui de Sea of Thieves, il est très bien, je trouve. Oh, c'est cool, ça. Ouais, j'étais là tout à l'heure, ça fait abri. Oh, vas-y, go pêcher là-bas. Oh, il y a une chute d'eau. Oh, genre, jure. J'ai pu lancer, mais est-ce qu'on peut pêcher d'une certaine... Attends, faut que j'aille tester un truc, faut que j'aille vérifier un truc. Une truite. Même pas mal. C'est moi la truite, mec. Truite du maquis. Oh putain, y a rien derrière la cascade, je suis deg. Ouais, c'est le même poisson qu'il y avait. Bah après, c'est. Ouais, c'est. Ça remonte, hein. Ah, c'est le même poisson. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ouais, non, c'est le même poisson. Il y avait un truc derrière là. Ah. Je crois que je suis stuck. Stuck, moi. I'm stuck. Steps. Oh. Serait-ce une grotte? Quoi? Une grotte de fou, j'ai l'impression, non? Écoute, je check. T'as raison. Il faut. Speedy boy. Putain, y'a du parkour. En fait, j'ai l'impression que dans ce jeu, les dégâts de chute n'existent pas. Mais par contre, t'as une jauge qui t'indique à quel point t'étais proche de mourir de ta chute. Ouais. Je pense que c'est ça, en fait. Je pense que c'est soit tu meurs, soit tu meurs pas, mais y'a une jauge qui te dit fais gaffe, t'es chaud. Bon, pour le moment, c'est toujours le même poisson. Ok. Encore une truite. Truite du maquis. Ça m'en dirait trop les sacs de tes DKOK que j'ai. Ouais. C'est dommage que tu aies. Dommage qu'on puisse pas jouer à DKOK, mais bon, tranquille. Possédé par les DKOK, tu sais. Merci Akma. Oui ou faut faire des pioches là. We need to craft pioche. J'ai la jambe cassée là, non? Ah ouais, c'est vrai. Prends un petit bandage. Petit bandage là, ça te soigne, je l'ai dit. En effet. Vas-y, bah je repars à la base. Attends, je croyais que j'avais looté plus de peau que ça, moi. Eh bah non. Il est où, Bernard? Bernard. Viens là, Bernard. Par contre, tu sais, j'ai l'impression, genre moi là, sur ma droite, je suis un peu bloqué parce que moi ça me demande de recruter un survivant et en fait, j'ai pas pu recruter Bernard vu que tu l'as recruté. Ah, faut en trouver un autre alors. Ah, mais tranquille, en vrai. Voilà. Faut essayer d'en trouver un autre. C'est là, quand j'essaie de recruter Bernard, ça ne fait rien. Je sais pas où ils sont les autres. Du coup, c'est quoi ces trucs là? Bois d'œuvre. Mais de toute façon, ouais, ça c'est des trucs qu'on peut farmer. Ah, t'as trouvé toi de toute façon tout à l'heure, tu voulais des bois d'œuvre, c'est ça? Mais tu peux en faire? Ouais, c'est sur le truc là. Ah tu bah mets si tu des... peux. Ouais, mais moi je peux pas. J'ai pas découvert la recette. Ah, ah ok. Y'a que toi qui peux. Faut que tu fasses des bois d'œuvre, on en a besoin. Okay. Pour finir la station de mortier simple. Bah il me faut masse bois, enfin stade du bois. Il t'en faut combien? De quoi? Bah il t'en faut combien de. Il en faut 6, je crois. 3.
En faut juste 3. Il y en a plein, enfin il y en a une dizaine qui part là. Hop les petits gants. Ils sont bizarres les poissons. La gueule des poissons. Hop. Oh, en fait c'est la monnaie ça. Fibre animal. Non plus qu'un couvre-chef. Ah, pardon. À tes souhaits, mec! Merci. C'est long à faire le cuir, hein. C'est relou, hein. Tout est long. Ouais, tout, c'est pas mal long. Hein. Extraire. Le sound design du jeu est très bon. Non, mais en fait, toute la l'emballage, tout le corps du jeu est vraiment, vraiment très, très cool. T'as besoin de billes? Hein bro, t'as combien de billes là? J'en ai... 28. Ok, j'en ai quelques-unes. Je vais t'en drop. Ok. Hop. Ça prend celle-là déjà. Et je te drop... Du coup c'était quoi? Du bois d'œuvre. Hop, t'en as 4 ici. Tiens, je te donne... Je te donne des gants. Oh, trop bien. Putain, la tête que t'as au secours. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, putain. Oh, la dinguerie. J'ai jamais vu un truc. Hein? Il est très beau, mon turban. Je suis adepte de culture orientale. Bah, je vois ça, ouais. Bah, on dirait, tu sais, les Australiens qu'ils avaient envoyés en Algérie, là. Hein. Putain, un peu ça, là. C'est pique. Perçoit un flou incroyable. Ok, et je vais te faire aussi la même, mec. Tu vas y passer aussi au turban, désolé, mais... Let's go, le turban, putain. On dirait un corps. Aussi devoir oh non, on veut pas avoir de turban. Problème avec ça, non. Allez, hop. Let's go. Ah, merci. Ah, le bois. Je fais un petit F5, là, pour voir ta tête de près, encore, là. Oh, les petits yeux. Alors, oh putain, on peut faire de la farine, du minet, de l'encre alchimique, graines, pigments raffinés. Oh, on fait des pigments. Oh, mec, on va peindre des figurines. Quoi? On va peindre des figurines. On peut faire des décaogues, en train de me dire. Alors là, j'ai pas de recette, moi, dedans. Bah, moi, j'ai graines, encre alchimique, pigments raffinés, minet raffiné, farine raffinée. Ah, bah, ça, c'est ce que t'as acheté tout à l'heure, du coup, j'imagine. Non, je crois que c'est parce que j'ai acheté les plantes du truc de meurtrier et que toi, t'as acheté les plantes de la table de sillage. C'est ce que je viens de dire. Ok. Faisons comme ça, alors. J'ai dit, c'est parce que toi, t'as acheté des trucs. Tu non, mais dis, en fait, bah non. Non, mais je croyais que t'as... Non, parce que je croyais que tu disais parce que t'as acheté les plantes de ces trucs. Mais j'ai pas acheté les plantes de ces trucs. J'ai acheté juste le plan pour construire ça. Ok. C'est, voilà, c'était ça que je voulais dire. Okay. J'avais compris ce que tu disais, besoin, mais... Et t'as besoin de quoi, du coup? Est-ce qu'il y a des choses que moi, à côté, je peux t'offrir? Genre, est-ce que tu vas avoir besoin de papier? Est-ce que tu as besoin de barre? Est-ce que t'as besoin de quelque chose? Parce que moi, ici, je peux faire barre, bois d'œuvre et papier. Ici, là. Je sais pas, en fait... Ah, mais attends, mais en fait, là, on a ce qu'il faut en termes de... Moi, ça m'a accompli la quête pour le niveau d'équipement. Et moi, il me manque un. Hein? C'est parce que t'as le sac. Tu penses? Ah oui, le sac, ça doit être un plus gros truc que tu as derrière. Il attends, je te le donne. Il est de combien, ton sac? Tiens. Équipe c'est 20, ton sac, ou pas? Équipe ah oui, mais tu m'as pas fait les bottes. Ah, c'est pour ça. C'est les bottes. Merde, il nous faut du cuir encore, alors à moi que t'en aies. Je l'ai... cuir, j'ai du... non j'ai de la fibre, j'ai pas du cuir. C'est pas grave, okay. De toute façon les quêtes elles sont pas validées là pour le moment, donc on suit faut... ton call. Il nous faut du cuir. Attends, on a pas on a été exploré dans... On a pas été exploré genre par là-bas là. Après ce qui est terrible c'est qu'on a pas le... Tu t'es reposé en fait, la map se découvre pas plus quoi. Non, ça te dit pas où t'as été. Genre la map est direct révélée, c'est ça qui est étrange.
Retour à mon refuge. Ah ok, ça c'est ma base quoi, d'accord. Il commence à faire nuit, c'est relou. Ouais. Ouah, l'ambiance dans la forêt est trop belle. Super gros dodo. Ouais, j'aurais bien aimé choper un petit... Comment il me faut juste deux animaux là. Et là en fait il m'a dit juste tu devrais aller chercher un mec pour t'aider quoi. Il va se dire il est con lui, il va pas chercher un mec là depuis tout à l'heure. Ça vient qu'on trouve ton PNJ aussi. Bah en fait le problème c'est que ça sera un PNJ que t'auras pas. Enfin tu vois ce que je veux dire, en fait tu pourras pas recruter ce PNJ si je le recrute en fait. Ah je suis deg, on a... Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Ça m'a dit de découvrir table de couture simple. Ça c'est ce qu'on a déjà à la base par exemple. Hein. Ah, les biches c'est trop relou, elles courent trop vite. Table de couture simple. En fait j'ai pas de recette moi. Bizarre quand même. Yes. C'est bon, j'ai réussi à choper un cerf. T'as fait des piolets et tout là ? Ou pas du tout ? Des piolets ? Non, je les ai pas fait. Mais bah, tu peux peut-être les faire, tiens, avec ce qu'on a. En fait, il nous faut des sangles. Et du coup, il nous faut de la peau. Quel enfer, ça. Ouais. En vrai, il faudrait que la faune, elle est un peu chiante à trouver en vrai. Ouais, ils se planquent. En fait, il y a des gros troupeaux de cerfs, mais ils sont durs à choper, quoi. Peu d'impression, ouais. Et puis là, j'y vois comme à travers une pelle, à travers la forêt. Rope au court. Mascotte, c'est loin. T'as abusé. J'ai abusé ce qui vient de se passer là. Qu'est-ce que t'as fait? Bah genre je pensais que j'aurais le dégât sneak attack mais pas du tout. Ah. Et du coup est-ce que si tu accroupis tu peux te rapprocher plus du coup? Je crois que oui. Ouah, ils courent trop vite les animaux, c'est un enfer. Et c'est toi qui as mis des points là de l'encre là? Ou pas du tout, ou c'est de moi qui ai mis un... Je sais pas, j'ai un... Balise d'Ectolien, gros tarin. Ah bah oui, c'est toi, putain. Mais t'as, ah oui, t'as c'est moi qui l'ai marqué. Ectolien, gros tarin, c'est moi. Oui, je viens de voir, en fait, j'étais en mode balise, mais je comprenais pas. Putain, je vais laisser un HP, c'est relou. Le cerf qui tombe, là. Du coup j'ai... Ouais. Ça je les vois plus. Alors question, si jamais genre je fais... Ah non, bah, j'ai rien fait, ça va être chiant aussi. God damn it. J'ai perdu ma proie. Là clairement j'ai un peu traversé vite fait derrière chez nous et je vois rien. C'est ce qui manque là, c'est un bombardement napalm. Oh mec, si seulement. Il manque juste ça là pour chasser là. Comme ça la viande est cuite direct. Oh. Oh j'ai des loups sur moi si jamais. Ah bah c'est parfait, c'est ce qu'il nous faut. J'arrive. Oh c'est 18 l'arme que t'as là. Ouais ouais c'est vrai. Enfin le niveau en général je pense hein. Là t'es 19 là pour moi. Ah ouais. Ah oui avec probablement les bots. Ah oui ça doit être le niveau en général.
Ok. Après, je peux peut-être remercier Bernard et te laisser lui parler. Peut-être, mais est-ce que tu as dit, tu as mis combien d'argent ? Est-ce que je peux le payer, Bernard, là ? Je crois pas. Hein. De toute façon, j'ai le même problème, je ne comprends pas pourquoi. Envoyez la recrue. En... Vas-y, tu peux le recruter, là. Okay. C'est bon. Il est avec toi ? Ouais, c'est bon. Et du coup, ça t'a validé la quête ? Ouais, ça m'a fait le truc. Par c'est contre, quoi une munition d'arbalète ? C'est boule de pierre. Ouais, mec, par contre, il faut que j'achète la table de couture. Ah bon ? Ouais, je suis obligé de l'acheter, c'est fin. C'est relou, ça. C'est fin, là. J'avoue que c'est relou. Mais tranquille, non. Vas-y, on va dedans. Ouais. Parce que j'ai... Ouais, t'as en fait, cuir, t'as... je vais regarder ça. Après, t'as dépassé deux loups là ? Parce que moi, j'en ai fait qu'un, je crois. Ouais, tu peux me le passer. Attends tous les joueurs pour le repos, là. Tu veux pas dormir, là. Pardon. T'inquiète. Dodo. Parce que là, normalement, on va pouvoir ensuite aller essayer de récupérer le truc qui nous donnera une nouvelle carte. J'en ai qu'un. Hein. Je dois avouer que ça me fait. Ouais, j'en ai vraiment qu'un, quoi. Thank you. Ouais, c'est normal. Donc, ça c'est fini, ça on a pas besoin. C'est trop relou parce qu'à chaque fois c'est un par un, quoi. Souffle. Je souffle fort là. Je souffle très fort. C'est quoi, je t'ai pas fait des bottes ? Ouais. Mais après, si on a besoin de... Enfin, d'autres... Enfin, comment je peux dire ? En gros, si on a besoin de trucs... Tiens, tu peux genre les pioches, on a besoin de cuir, tu vois. Peut-être c'est mieux. Hein. Les pioches, on a besoin... Ah, tu préfères faire des pioches ? Bah ouais, hein. Tiens, les bottes. Juste histoire de voir, quoi. Bah ouais. Bah oui, connard ! J'ai fait des sangles au cas où. Ok, je suis passé, donc ça c'est bon. Dévorer carte de genèse. Mais la carte de genèse, moi j'avais acheté ça. Non. C'est... Ah bon ? Bah j'avais acheté plein de cartes, mais je sais pas où elles sont du coup. Je crois pas que c'est ça que t'avais à dévorer. Hein. Ouais, peut-être que je les avais pas pris, en effet. J'ai 119 poussières sur moi. poussières 141 actuellement. Après, le truc c'est que pour repartir là-bas c'est 800 mètres quoi. Ouais, c'est pas à côté. Yes. À poil Bernard. Laissez Bernard tranquille. Pardon ? Bon, les gens veulent mettre Bernard à poil. Ça va pas ? C'est un délire. C'est vrai qu'il... qu'il a pas forcément besoin de ses vêtements. Et voilà, c'est dommage parce que du coup on ne peut même pas les extraire, ces équipements. Par contre, attends, mais son stuff est insane. Santé maximale. Mais attends, mais son stuff il a masse résistance en vrai. Ah ouais, il est bien. Bah, attends, c'est juste que j'ai vu un truc. Ah, mais non, c'est son torse. Ah, peut-être qu'ils ont tous la... Genre les torses, ils ont des résistances. Ah non, pas du tout. En fait, j'ai l'impression que... Genre là, son torse, par exemple, il est résistance à la pluie 5%, à la chaleur 5%, au froid 5%, au fléau 5%. Ouais, mais il a pas d'armure. 5%. Durabilité 50%. Ouais, il a pas d'armure, ouais. Et là, c'est un équipement, en fait c'est équipement 16, tu vois, donc après je sais pas. Ouais, je sais pas.
Ah, je peux pas cuisiner les poissons. Je pense qu'il faut les couper. Peut-être. Ouais, je sais pas. En fait, moi, ce qui m'énerve là, c'est qu'il y a des trucs qui se stackent pas. En gros, genre, imaginons, là, j'ai de la fibre animale de proie de rang 1. Mm-hmm. Et l'autre truc, c'est fibre animale insecte de rang 1. Et du coup, en fait, ça se stack pas. Ça fait pas un seul stack. Du coup, c'est bizarre parce que bah, ça nous demande pas pour les crafts des trucs du genre. Quoi. Donc, du coup, on comprend pas. Ah. Ah oui, j'avoue, ouais, j'avoue que c'est pas clair. Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu veux faire ? Ah, on va retourner au marchand, débloquer le... En vrai, je pense, go farmer plein de trucs. Et en vrai, on tu veux pas tout. Que genre on fait juste la pioche, parce que moi je vais pas tarder non plus, je dois t'avouer. Ah, et la pioche, faut faire quoi du coup, tu disais ? La cuir? Pioche, c'est... ouais, c'était cuir. Je peux aller recheck. Comme ça, au moins, tu vois, on fait ça, on regarde si tu peux taper avec en amélioré. Et... Vas-y, ouais. Regarde. Hop. Où est-ce que c'est ? Paramasse. Arte simple. Piolet simple, du coup. Donc, il faudrait. Il faut deux sangles. Voilà. Le reste, on peut le faire. C'est deux blocs de pierre, une bûche et deux sangles. Et du coup, les sangles, c'est. C'est une peau. Une peau la sangle ? Ah, c'est ça. Donc une peau, deux peaux. Voilà. Ah, j'ai trouvé encore des loups toujours. Là. Ok. Ils sont dead. C'est vraiment moissonneuse, ouais, c'est moissonneuse battle simulator quand tu spams eux en courant dans les herbes. Ah, ça, de toute façon. Tu fais pas ça. Sachant qu'en plus, tu peux tout prendre pour faire de la poussière. Si tu le fais pas, c'est dommage. Quoi. Ouais, de ouf. Parce que là, en vrai, du coup, ton spam sert encore plus, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. C'est-à-dire, c'est comme si tu ramassais des pièces d'or. C'est ça, exact. En perma. Donc, c'est Archivors. Bon, j'aurai les blocs de pierre, comme ça, au moins, c'est déjà ça. Il faut vraiment spam, quoi. Mais en endgame, je pense, les joueurs, ils ont genre 5000 HP, hein. Parce que là, je vois, on a déjà 192 HP alors qu'on démarre. Il est vraiment filé, hein, j'avoue, là. Après, ça m'a l'air. En fait, il faut vraiment tout exploiter parce que j'ai l'impression que c'est vraiment rempli de mécanique. Ouais. Ça beaucoup, fait presque peur. Oui, oui. Tu dis putain, il y a tellement. Ouais, ouais. Ça fait presque peur. Pas des loups là. Hop. Mettre ça. Allez Bernard, arrête de m'en regarder, merde. Après peut-être que si on lui enlève sa hache pour qu'il ait une pioche. Je pense que si tu lui donnes d'autres outils, ouais, il tape. Ouais. Sans ça, il fait rien. Je pense aussi. Ah, c'est pas le même poisson là par exemple, ça va venir là. Je suis énervé. Faut pas stacker, ça veut dire. On veut pas d'animaux. Bernard. Donne-moi ta hache. Et prends ça. Oh, j'ai chopé des myrtilles là. Bien joué. Ah, du coup, je peux pas. Ah non, pas bien. Ok. Désolé. Putain, j'ai tué Bambi, mais... Non. C'est la folie de faire ça. Bah, c'était le petit, il avait des petites pattes, il courait moins vite, je l'ai oh, fumé. Oh non, il en a profité. Désolé. Il en a vraiment profité, là. Non, ouais. C'est un peu impressionnant. Ouais, ouais, un gros bâtard. Ah, ils n'ont qu'à pas courir trop... Eh, ils avaient qu'à tanker pour lui, les parents. Ban. Ouais. Ça aussi, les familles d'animaux, ils sont horribles entre eux.
C'est juste une poussière d'essence. Ah oui, c'est génial. Faut toujours chasser le plus faible. Ça économise les efforts. Mais de fou. C'est la nature, hein. Qu'est-ce qu'il a mal fait? Il était trop jeune. Voilà. Avec elle plus grand. Oh merde. Oh non. Tranquille. J'ai mal. C'est bon mec, tu t'en sors là. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Bernard. Oh, Bernard. 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 C'est comme ça qu'ils disent. Bernard. Nardog. Oh. Oh shit. Il y a des loups là-bas. I saw them. Comment? Cochon. Petit cochon. Quoi? Petit cochon. Bah, le cochon, mec, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, ouais. Ouais. Hop là. Et par contre, moi j'ai l'impression que j'ai quand même senti de quoi. Après c'est quand même. Alors là j'ai de la peau, donc ça c'est bien, j'ai 3. Donc je vais peut-être aller retourner au camp faire les. Fais trouver des loups là. Ouais t'inquiète. Hein. Spouiou 3-6. Dégâts de chute. En fait, c'est juste le truc de. Tu te casses la jambe en fait. Ok. Merci beaucoup, Maf. Enfin, je reviens. Merci à toi, mon bon Maf, pour le raid. J'espère que ton live s'est bien passé. Tu faisais quoi ce soir? J'ai vu que t'étais sur. J'ai vu que t'étais sur Total War. T'avais fait un peu de Total War aujourd'hui. J'espère que l'expérience était douce et agréable. Nous, on est en train de découvrir Nightingale. C'est vraiment très sympa. Je pense que ça pourrait potentiellement te plaire. Oh là là, les petits. Le fan. Le fan, faut fumer le fan. C'est celui qui colle moins vite. C'est celui qui colle moins vite. Paf. Ça va toi? Bonjour à tous. Hein. C'est comme ça. Hein. C'est la loi du plus fort. C'est, systématiquement, je fais ça. Je suis obligé parce qu'il court trop loin. Cours trop vite. J'ai découvert quelques nouveautés de la 4.2 qui sort demain. Ah oui, c'est vrai. Je réitère. Bah oui, je réitère. Mais regardez comme ils courent vite, ils sont relous. Je peux pas discuter avec eux, là. Qu'est-ce que cette pyramide, là? Le jeu est très cool, en tout cas. Si tu comptes faire une découverte, mon bon Maf... N'hésite pas, je suis bien chaud. Ah mais oui, on est venu là tout à l'heure. Ok, je vais voir si je peux acheter le truc, mais je pense pas que c'est ça que je vais trouver. Hein. Flagot de bois. Ah mais t'as déjà acheté des trucs? Bah en fait je chassais, là j'ai trouvé d'autres loups et en fait j'étais juste là quoi. Ok. Par contre là j'ai bien de choper les trucs quand même dedans. Hein. Ah, ça c'est pour acheter des ressources. Alors, piolet simple. Carte de festin, carte d'adresse de propriété, carte de pêcheur, d'accord. Y a pas un truc où on pourrait sélectionner les choses automatiquement sur les crafts pour pas aller les chercher? Ah, je sais pas du tout. Tout est détenu. C'est quoi ça? Quête terminée, comptage des cartes. Ok. C'est un petit pour enfoncer les poteaux, les mains, c'est aussi un astuce. D'accord, mais sans pas conséquence. Carte du pêcheur. Jouez cette carte pour améliorer vos compétences et votre rendement à la pêche. Et vous dissimulez aux yeux des créatures hostiles lorsque vous pêchez. Le doux parchemin rappelle les légères vagues. Attends, mais... Carte de festin. Jouez cette carte pour prolonger les effets d'un repas.
Je sais pas, j'ai acheté ces cartes, moi. Terrain difficile. Ok. Ouais, le jeu est dispo sur Steam et sur Epic. C'est quoi ce truc? Quoi? Bah en fait j'ai fait des piolets là. Ok, et alors? C'est pour grimper? Les piolets c'est pour grimper non? Bah en fait c'est ambidex, donc enfin j'en ai un dans chaque main là. Wow! Le crack. Donc j'essaie de voir un peu comment on peut faire ça là. Ah, c'est une recette de fabrication. T'as acheté la recette de la canne à pêche toi? Ouais ouais ouais, mec on peut monter aux montagnes. Oh, on peut faire de l'escalade ? Ouais, c'est juste qu'il te faut masse endurance par contre. Oh là là, c'est la dinguerie. Trop bien ça. Ah, par contre là, pour le moment, c'est vraiment genre deux tensions. Quoi. Après ça, ah, ça te fait monter. Ok, c'est cool. Hein. En vrai, la mécanique. Ok, maintenant voyons, on va. J'ai fait ça, j'ai fait une pioche, je vais voir un peu. Ok. Je sais pas si ça tape quoi, on va voir. Le marteau a l'air de. C'est une arme aussi. Pour le moment, c'est quoi ton avis sur le jeu? Alors, considérez que je suis en OP, donc forcément, quand on demande l'avis à quelqu'un en OP, voilà, vous êtes au coup, vous savez bien que on dit pas non plus totalement ce qu'on veut, mais moi de mon côté, j'ai passé un très bon moment ce soir et. J'ai bien envie de me refaire une soirée. Donc ça prouve que j'apprécie. Maintenant, faut voir en fait. Je me demande comment ça se passe quand tu changes de monde. Et je trouve que le jeu a une présentation qui est extrêmement qualitative pour un jeu de survie. Et c'est rare. Donc j'apprécie bien perso. Donc là, je peux ramasser du quartz. Ah, mais alors il sert à quoi le quartz? Pour le moment, j'en sais rien. Alright. Voilà. Ok. Je ramasse des gemmes de quartz. Donc c'est des gemmes là. Moi je suis une moissonneuse batteuse, là, je suis une débroussailleuse. Moi. Let's go, mec. Ah, moi une fois que je suis passé, y'a plus rien. Hop. Ah, c'est, en fait c'est quand même vachement simple pour choper de pour extraire des trucs. Tu spams un peu autour de toi la touche E et il y a tellement de plantes que tu peux fermer vraiment facilement les essences comme ça. Des minerais, des pierres, des gemmes du sol. Puissance magique 10, efficacité du blocage. Je jette tout moi. J'ai tout acheté au final, tu vois. Je peux même acheter des trucs un peu chiants. Du corail, des mèches arcaniques, du verre, pigments raffinés, lingots. Je peux acheter des lingots d'étain. Oh, je peux pas acheter du cuir. Ah, évidemment, je peux tout acheter sauf du cuir. Oh, c'est chiant. Je peux acheter cependant de la peau de proie. Ça, c'est cool, ça. Ossements, fibres, branches, peau. Moi j'ai acheté ça. Mec, j'ai acheté plein de poux. J'ai acheté plein de poux avec ma poussière d'essence. Mais c'est comme ça en fait, qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut faire. En gros, tu spams d'arracher des herbes. Et après, t'achètes du cuir comme ça. Je pense que c'est vraiment comme ça, Juice, que tu farmes, en fait, les ressources. Tu penses pas que, genre, ça serait du gâchis d'acheter du cuir avec de la poussière? En fait, la poussière, mec, tu appuies sur E non-stop dans les plantes, et la fibre végétale, c'est 1 par... Enfin, tu sais, genre, moi, là, je clique pendant 20 secondes partout oui, sur vois, E, tu ramasses 20 trucs et tu rends, quoi. Là, tu vois, j'ai spammé et j'ai vendu pour 100, tu vois. Ouais, je vois. Et ça va vraiment très très vite. Ça va vraiment extrêmement vite. Il y a peut-être même encore plus simple, j'imagine. Mais oui, c'est pas du tout un problème, l'essence. En vrai, il y a une vraie amélioration des outils. Genre là, les piolets, je m'en sers de comme si j'avais double dague, hein, pour simplifier. Ah ouais? Ouais.
Je vais remonter moi quand même. Moi ça m'a plu, j'ai certains moments. Bah si ça vous a plu, n'hésitez pas à utiliser mon lien. Oh la dame. La masse à deux mains. C'est qui ? J'ai acheté les plans pour la masse à deux mains moi. Ok, ok, bah là je viens de la crafter. Ah, tu vas me dire c'est bien. Et ben, j'essaie de la récupérer. Donne des. Oui. Là. Donne des. Donc niveau stats, on en est où ? 80 dégâts au corps à corps. Ah oui, d'accord. Où ça t'a ça cogne. Ah oui, c'est juste que c'est. C'est juste que c'est quelque chose quoi. C'est turbulent. 80. Ouais, il y a une petite lenteur quoi. En crit 80 ou en normal? Ça dit en statistique, dégâts au corps à corps 80, puissance magique 10, force 17.5. L'efficacité du blocage c'est 200%. Quoi. 15 poussières d'essence. En décraft. Oh, ça aurait été beau. Ah les trickshots, j'y arrivais sur Valheim, mais là c'est dur. Je reviens au camp vite là. Vas-y, vas-y. C'est simple. Après ça, est-ce que c'est la même chose? Ouais, de toute façon, il faut. C'est comme d'habitude. En fait, en fonction de ce que tu farmes. Genre par exemple, la fossile, tu vois, au lieu de faire E, je pense que tu passes. Tu vois, tu mets des gros coups de fossile en courant et tu ramasses tout. Et en mieux, je pense, j'imagine, par exemple. Non, parce que ça te défonce la stamina. J'en ai essayé. Pardon. La chambre simple. La chambre simple pour voir un peu les stats aussi. Ah mais si. Ah mais oui, si si. En fait ça récupère plus de fibres. Oui, oui bah oui j'imagine tu vois. Ah oui c'est un délire. C'est un délire. What the fuck? Mec. Du coup t'en as récupéré combien? T'es en train d'acheter. T'as acheté le village c'est bon? Non non non. J'ai croisé une bestiole. Genre une big big? Ouais, big big big. Reviens ici, eh vas-y, eh vas-y. Attends, porcinaire, t'es reviens juste ici à côté, là. J'arrive, j'arrive, t'es juste à côté. Genre. Pardon. Putain, il avait que dalle. Ouais, viens, viens là où je suis. J'arrive, j'arrive, j'essaie. T'entends les bruits là? Non. C'est sûr. Ah si là. Mais c'est un arbre ou quoi? Non, non, c'est pas un arbre. Wouah, il est là-haut. Il est invisible le cerf là? Je sais pas, on dirait un léchène fantôme. Oh putain le bordel. On ou tire ou quoi? Je sais pas mec hein. Un Wendigo? On peut lui parler? Non pas un Wendigo aussi. Ouais, j'étais sûr qu'il avait un crâne à la place de la tête. Il est immunisé. C'est trop bon. Immune. Peut-être qu'il nous mène quelque part. Ok. Hein ? Attends. Que tu testes là. Merci. Il s'est passé quoi là? What the fuck? Il vient de me faire. Je me suis fait bobo dessus. Voilà. Je me suis chié dessus aussi, il fait trop peur. J'étais dans mon sac, d'un coup j'ai entendu des. Enfin, what the heck en vrai. Bot mon taré le truc. Je me suis fait bobo dessus, j'avais plus qu'à changer mon slip. J'espère qu'il m'a pas vu buter Bambi. On n'a pas d'attaque magique. Pour le moment. Tu m'as filé la masse aussi. Ouais, je t'ai tout filé comme ça, tu montres et tu testes. C'est qui en OP, mec. Je sais pas où il va. Attends, je vais ranger les trucs à l'intérieur. Dans ta chambre, bien entendu. Ah, ok, ok, ok. Dans ta chambre. J'aime bien le fait qu'il y ait un bestiaire comme ça avec des créatures un peu cheloues.
Bah en fait, c'est soit quelque chose à débloquer, soit c'est un truc qu'il faudra taper en moi. Putain, par contre, l'arbre que t'as fait tomber, je le... Attends, non, c'est le monstre qui l'a fait tomber, parce que oui, c'est un côté. Le monstre, moi je suis parti. Hein. Oh la folie. Bah, vu où je suis, je vais en profiter pour aller faire un tour vite fait, voir si je peux pas débloquer des trucs. Et je pense que je vais vanish. Hein. Ça roule. Je et pense tâches, que je vais vanish. Hein. Enfin, quoique, je vais peut-être même m'évanouir avant, mais on va voir. Tout ce qui va s'évanouir. Parce que j'ai commencé la journée, je crois, il y a un petit moment là. Ouais, moi aussi. Ah, encore toi, encore pire. On a little bit dead. Du coup, demain je le mets tôt parce qu'on m'a validé que c'est good à 10h de l'aéro. MG. Ah, nice. Ouais. T'as moi, ça y est, j'ai expédié les colis là, je suis trop content. Ça me pesait tellement, c'était terrible. C'est vraiment un truc que je déteste faire, des colis. Ça me rend fou. À chaque fois, je suis en mode putain, tu te prends trop la tête pour emballer le truc et tu sais même pas si ça va arriver, tu sais. Ou si ça va pas être cassé dans le transport. Ça me. Ah, j'ai vraiment zéro moi, confiance. Moi, j'ai peur de ça, hein, je dois avouer. Ah, c'est trop relou. Tu sais que, Totor, quand tu m'avais envoyé le truc, j'avais trop peur. Il m'a montré son travail et j'avais trop peur qu'en venant, les mecs fassent du foot avec, tu vois, parce que j'ai été livreur. Oui. Et j'ai travaillé à la poste et j'ai vu que ce qu'on faisait des fois des colis, j'étais en mode bon. Ah, c'est horrible. T'as dit on là ? Hein ? T'as dit ce qu'on faisait ? Oui, mais parce que je travaille aussi dedans, tu vois. Enfin, je me suis mis en train. Donc tu shootais dedans aussi ? Hein ? C'est exact, tu veux dire ? Non, que dans tes colis. Que dans tes colis. Mais bien. Ok. Non, j'ai vraiment loupé ça, je suis une merde. Cool. Ok, nice. Ouais, c'était dès que je voyais ton nom, je sautais dedans. Voilà. Non, je pouvais pas. Oh putain, heureusement je le rate. Oh, il est trop mignon. Mec, t'as vraiment tiré sur ça? Non. Ouais. Non, t'as vraiment tiré sur ça, t'as vraiment pas d'âme. Comment c'est possible? Pourquoi tu réponds plus, Alpha? Alpha? Juice? Oui. Tu m'entends? Ouais, je t'entends, ouais. Je t'entends plus, là. D'accord. Allô? Ok. C'est pas possible. C'est trop bizarre, je l'entends pas quand il parle. Je pensais que... Wow, putain, vas-y. je viens de voir ce côté. Vas-y, c'est... Ah! Il était délicieux. Délicieux. Ouais. Moi, je peux pas... Je mange pas les trucs petits. J'ai un problème avec ça. T'as un problème avec les petits, toi? Non, j'arrive pas à manger la viande, genre le veau, le lapin, j'ai du mal. Uh-huh. Je mange que les adultes. Uh-huh. Et les gens vont dire, mais attends, les lapins sont adultes. Bah non, du coup, c'est trop petit. Oh, mais regardez, ton mignon. Alors attends, je vais voir comment ça marche là. Comment ça marche alors? Ouah, c'est trop bien! Qu'est-ce qui se passe? Escalade? Ah oui, tu viens de. Okay. Un plaisir, mec. Mais ouais, mais du coup, il faut pas mal de stamina quand même, j'ai l'impression. Ah ouais, c'est abusé. Ah ouais, il faut vraiment beaucoup de stamina, c'est chiant. Faut un peu de stamina, ouais. Mais ça peut okay. Te permettre de grimper certains trucs, quoi. J'imagine ouais, que plus tu fais de temps en temps, ouais, tu vois. Alors, du coup, carte Genèse. Du coup, t'as acheté la carte et tout, là? Non, la carte, mec, en fait, c'est l'objectif de cette map. Il faut la trouver, je pense. Ah, mais tu vois, genre, j'ai tout acheté. Carte d'adresse, carte d'explorateur, carte de pêcheur, carte de festin, j'ai tout acheté. Mais jouer cette carte prolonge les effets d'un repas. Ah, ça prolonge des trucs. Mais je sais même pas où je les ai mis. Il y a un autre truc, tu vois, sur la map. Ça s'appelle Transmutateur Mondien. Consommer des cartes de monde mineures pour déclencher des effets à l'échelle du monde. Et en effet, des cartes, j'en ai acheté, moi, là. Toi aussi, je pense. Ok. Il y en a en vente, des cartes, là où t'es. Oui, et celles-là, je les ai déjà achetées. J'ai acheté toutes les cartes qu'il y avait dessus. Ouais, moi, j'ai tout acheté. Donc, je les ai aussi. Et en fait, je pense que quand tu vas là-bas, tu peux activer ces cartes pour qu'il se passe un truc.
Okay. Ah, retourner à mon refuge. Mais non. Putain, mais tu peux te TP au refuge. J'ai ouais, fait tout le chemin pour rentrer comme un bolos. En fait, on m'a dit ça dans mon chat et j'étais en mode je vais rien dire. C'est super, mec. Voilà. Merci, mec. Pas de soucis. C'est trop cool. Bah, je. Voilà, pas bref. Bref. Ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais. Ah ouais, mais ouais, du coup. Fonderie okay. simple. Station de mortier simple. Ah oui, c'est vrai qu'il faudrait que je fasse ça. Vas-y, je vais tout casser, hein. Je vais tout extraire. Hein. Je vais le recasser. Mm-hmm. En fait, tout coûte le même prix, en fait. Un rendez-vous. Où est-ce qu'on peut. Ah, carte. Non, mais non. C'est les cartes que j'ai. C'est la carte du monde. Guide. C'est d'or, ça, je suis la carte. Quoi ? Je suis la carte. Station de maçonnerie simple. La carte, la carte. Je suis la carte, je suis la carte, je suis. Mec ! J'ai pas la ref. Mais comment ça, t'as pas la ref ? J'ai pas la ref. Non, mais c'est pas possible. Mais laisse-moi tranquille, j'ai pas la ref. Il a pas la ref. She don't have the reference. Alors, on peut pas extraire de la poussière de Bernard. Il me saoule là, monsieur, en vrai. On peut extraire Bernard. Extraction de Bernard. Est-ce qu'on peut juste extraire Bernard, c'est chiant. Mmh... Ouais, c'est ça. La carte voilà. applique l'effet augmentation modérée de la durée des effets de nourriture. L'ami, je pense que... Enfin... Squelette de corail, il y a des items là, je... Oui, 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 je les vois. Moi, j'ai acheté plein de cuir. Donc mèche là, arcanique. Le... Hmm Incre alchimique. Hmm. Bizarre, bizarre ces items. Bouteille d'eau, what the fuck. Payant en plus. Non, non, c'est une dinguerie. De l'eau payante. Alors qu'il y a des robinets, enfin bref. Rouée simple. Bah ça j'ai pas. Cet objet contient des exigences que vous n'avez pas encore déverrouillées. Achetez des objets de cette boutique pour déverrouiller toutes les exigences. D'accord. Je vais ramasser des trucs en attendant du coup. Mais le feu il est bugué là. Hein. Ça brûle tout le temps alors qu'il n'y a pas de combustible. Ouais le feu il est bugué. Le feu est bugué mec ? Ouais le feu il est bugué. Je suis sûr qu'il y a de l'eau qui passe entre les toits, mais bon. Putain, si seulement on pouvait avoir genre de la bouffe que, où l'endurance ne tombe jamais pendant que je farme des fibres. Merde, maman. Maman. Ah, je n'ai pas. Pas assez de poussière d'essence. Je vais péter les plombs. Par contre, j'adore comment il saute le personnage. Hein. Voilà, je le dis, c'est très drôle. Très mims. Très yankly de ce genre de move. Attends mais merde mais comment on fait ? Je sais plus. En repos ? Non. Il sait plus. Qu'est-ce c'est où qu'on fait le feu de camp ? Le feu de camp ? Ah c'est base et réparation. Ok. Fais ton grain. Voilà. Ouais, en effet, il était bugué le petit feu. Je peux faire des sangles aussi là. Ok. J'ai passé tout mon stock. Bon, on a pas mal de cuir. On a quelques sangles. Tant mieux, oh, tant putain, mieux. On peut pas se stacker les sangles. Non, Prédateur parce que ça doit pas être le même animal. Ah oui, c'est pas la même chose. Mais oui, du coup, c'est chiant parce qu'en fait, ah, quand tu craftes, c'est la même chose. Ouais, ça, c'est un peu une galère, ça. Et non, il a pété les plans, mais tranquille. Ça, c'est vrai que c'est un peu une galère. Bah, j'ai tout acheté. Voilà. T'as bien raison, mec. J'ai tout acheté. Chandelier en pot. Non, à part ça, je l'achèterai pas. Voilà. Je vais l'acheter. Je l'ai acheté.
Ouais, moi aussi j'ai acheté des trucs useless. Débrouiller la carte de jeûner. Bon bah ça du coup on peut pas. Donc là en fait pour me TP sur la base... Comment je fais? Comment t'as fait du coup à te TP? Virgule, enfin carte. Et un gros bouton retourner à mon refuge. Hop, ça m'a quitté la partie. Ah mais c'est... Oh putain mais c'est trop chiant. Ah ça t'a ramené à toi dans ta game? En fait... En gros, tout à l'heure, je suis passé dessus et j'étais en mode attends, ça va me quitter la game et tout. Et en fait, si c'est ça, je vais rigoler parce qu'en fait, personne m'a spoil. C'est juste ah que. Non. Bah, peut-être ça va me partir. Parce que là, je vois un attente du serveur. Ah. Oui, non, c'est bizarre. Normalement, ça devrait te faire revenir là où je suis. Je pense que. Enfin. Oui, je pense parce que j'ai posé un cairn sur ma partie. Et ouais mais ça serait bizarre du coup, ça serait un cairn pour plusieurs personnes. I don't know man. Je crois que je suis complètement bugué. Il faut activer un cairn sur la partie multi et l'activer. Bah Alpha l'a fait. Ouais moi j'ai construit un cairn ici. Ouais moi je suis en plein chargement, je pense que ça va être un chargement infini. Voilà. Aïe. Oh, c'est loin. Mais j'avoue, je vais stop ici aussi, je pense. Ok. Je pense. Parce que là, ça fait 2-3 soirs que je finis des heures absolument impossibles. MG. Et surtout que je dois me lever. Mais tu sais que le tournoi de ce week-end, on commence les games à 8h30. Hein. Ah ! Première game, 8h30, mon gars. Let's go ! Ouais, bah je suis bien sur mon serveur, mec. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est pour ça. Okay. Allez, fin. Bon, vas-y! J'ai quitté votre groupe. Ouais, alors, du coup, quitté, comment je fais pour quitter? Je sauvegarde quelque part ou. Peut-être. Ou peut-être c'est juste un Alt F4, hein. Je sais pas. Pas hein. Est-ce qu'on a besoin de save? Je pense pas, hein, en général. Je vois pas d'éléments qui me demandent de save en fait. Donc. I don't know. Non, je peux aller me coucher là direct. Ouais, je pense qu'on va aller se coucher, mec. Il faut que je regarde une vidéo là qu'ils ont en ligne sur Discord là et puis je vais aller me coucher. Regardez comme il est beau et tout, il y a un juste avant. Tu quittes juste, c'est bon. Ça save le monde auto, ouais. Trop bien. Il semblerait. Vas-y, bah mec, je te fais des bisous, on se voit tout à l'heure. Voilà. Merci d'avoir joué avec moi. On se voit tout à l'heure. Bisous. Ouais. Bah oui, on se voit tout à l'heure, mec. T'es à 5 minutes, quoi. Enfin, on se voit, ouais. Allez, vas-y, bisous. À toutes. Hop. Bon bah voilà mesdames et messieurs, c'était Nightingale, très cool, franchement très très cool, je serais bien tenté de continuer, parce que j'ai passé un très très bon moment pour le coup, je trouve que le jeu a vraiment déjà un charme assez ouf, par contre graphiquement, il y a eu un effet waouh de zinzin dans le premier monde du tuto, et il est un peu retombé quand on est arrivé dans le monde procédural qui a été généré avec Juice, c'était moins, tu sens que... C'était moins un monde qui était travaillé. Donc en effet, il y avait un petit côté inégal sur le visuel. Mais c'est quand même vachement intriguant comment le jeu s'articule. Je suis très content de découvrir le jeu comme ça, vraiment à mon rythme, lentement comme ça. C'est vraiment très sympa. J'aimerais bien refaire une petite session là avec Juice. Ce serait vraiment cool. Je sais pas quand je vais pouvoir m'en caler une, mais je serais bien chaud d'en refaire une. On va voir. On va voir quand on s'en refait un. Mais clairement, très sympa. Je trouve que le jeu... Bah, il a une bonne base. L'emballage en tout cas, le sound design visuellement, il est très cool, très très propre. L'univers est vraiment intriguant. Ça, je suis curieux d'en apprendre plus, très clairement. Donc ouais, non, vraiment cool. Le cerf bleu, c'est un clin d'œil pour Elden Ring. Alors non, Elden Ring n'a pas inventé les divinités basées sur les cerfs, vidés et les entités éthérées bleues. Hein, mais oui, ça peut y faire penser. Mais non, ça ressemblait plus à un Wendigo qu'un cerf. Clairement. Pour le moment, tu préfères Enshrouded ou Nightingale? C'est dur à dire. J'ai pas joué assez aux deux jeux pour vraiment m'exprimer là-dessus. Nightingale, je pense qu'il y a encore pas mal de choses que j'ai pas encore réellement tâtées, notamment le truc des cartes là. Ça, curieux d'essayer ça. Et Enshrouded, j'ai pas été non plus tant si loin que ça dans le jeu parce que je veux me réserver la surprise quand le jeu sortira. Mais ouais. Ça fait combien de Survival Early Access depuis le début de l'année? Ah, ça en fait quelques-uns, j'avoue, c'est le troisième gros, là. Il y a eu Palworld, Unshrouded et maintenant Nightingale. Hein. C'est vrai que ça en fait quelques-uns. Hein.
Genre, c'est un peu le nouveau MOBA. Hein. Genre, il y a eu MOBA, Battle Royale, maintenant c'est Survival. Hein. C'est vraiment, ça a été les trois genres à la mode, clairement. Et ouais, là on est dedans. Et c'est clair que c'est pas évident, je pense, de tirer son épingle du jeu parce que là, commence à y avoir des trucs vraiment avec une très 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 bonne finition et fidélité plutôt sympa. Plutôt sympa. Donc ouais, non, franchement, c'est un très bon moment. J'ai bien kiffé. C'est vraiment cool. Je sais pas, il y avait a priori des reviews pas dingue de ce que les gens me disaient sur Steam. Je sais pas trop pourquoi. Peut-être qu'il y a eu des bugs ou des soucis à la sortie. Je sais pas trop. Mais en tout cas, moi, je trouve l'expérience plutôt satisfaisante et très, très agréable. Je repartirai bien faire une autre session. Tous différents en matière de gestion des ressources, de survie et de building base. Ouais, c'est clair. C'est clair. Review parce que le jeu est internet obligatoire et plus bug hier. Ah d'accord, ok, donc on bombarde parce qu'il y a un truc qui fait que t'es obligé d'avoir internet pour jouer au jeu quoi. Ok, le online imposé même en solo. Ok, bon, d'accord, bon, ok, oui, mais c'est pas du tout un indicateur de la qualité du jeu, ça, genre ça c'est un problème, mais c'est pas ça qui fait que le jeu mérite d'être review bombé comme ça, c'est débile. C'est des avis de début, faut pas trop y prêter attention. Bah je pense, oui, c'est complètement con de détruire les reviews d'un jeu juste... Enfin bref. Comme d'habitude, quand on laisse tout le monde donner son avis, des fois on se dit que c'est pas forcément toujours la meilleure idée. Enfin bon. C'est comme les gens qui viennent râler sur Eldiver à cause des serveurs. Oui, et qui critiquent, enfin qui détruisent les reviews du jeu à cause des serveurs alors que c'est pas du tout connecté. C'est un peu con quoi, c'est un peu vraiment juste, c'est un jugement très égoïste et très, je regarde que le bout de mon nez quoi, et je regarde pas du tout l'ensemble du contexte quoi. Enfin bref. En tout cas j'ai kiffé, merci encore en tout cas à Inflection Games d'avoir sponsorisé ce live. Si vous êtes curieux pour essayer Nightingale, vous pouvez retrouver le jeu sur Steam et Epic, sur PC il est dispo, vous avez le lien direct dans le chat actuellement avec le point d'exclamation Nightingale ou sinon sur le panel Twitch juste sous le player Twitch. En attendant, mesdames et messieurs, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie aujourd'hui. Ça a été chargé aujourd'hui. On a découvert le nouveau trailer d'Elden Ring qui était incroyable. On en a bien parlé et tout. On a essayé de faire un peu de la mission solo sur Eldiver. Je me suis fait oblitérer. C'était super dur, mais on réessayera un jour. Ensuite, on a eu la grosse session Baby Card Tryhard. Je me suis bien amusé au final. Et enfin, Teen Nightingale des familles avec le Brewjuice. Et c'était très cool. C'était très agréable. Franchement, j'étais bien. J'étais bien content. J'aime pas, peut pas jouer, les autres ont pas le droit non plus. Oui, c'est vraiment ça. Mais ouais, bah du coup, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve demain, enfin, il est minuit 11 donc, aujourd'hui. Je revérifie un truc. Oui, c'est ça. Jeudi, vendredi, on sera en live. Donc aujourd'hui, ce soir, probablement soit du Eldiver, soit du Nightingale, je pense. Je pense qu'on va se faire, soit l'un soit l'autre. Je vais demander à Juice quand est-ce qu'il est chaud. Et puis voilà. Il n'y aura pas de live ce week-end, parce que j'en ai parlé, mais je me suis inscrit au gros tournoi 40K de Montpellier. Et du coup, je vais jouer tout le week-end, tenter de survivre, me faire oblitérer probablement, mais prendre en XP, c'est ce qui compte, et m'amuser. Et voilà, donc il n'y aura pas de live ce week-end. Donc voilà. Je vous fais des bisous. Merci à tous d'avoir été présents. C'était un plaisir. Juste demain, je pense que ce sera tendu. Il est claqué. Ouais, j'imagine. Mais je vais lui demander. Je vais en parler là. On va voir quand il part du studio. Ouais. Vas-y. Je vous laisse. Bye bye. Bonne nuit à tous. Et merci à tous les subs aussi. J'allais partir sans remercier les subs. Je suis désolé. Merci Horowick pour les 6 mois. Crimsonir, merci pour les 3 mois. Axiol pour les 2 mois. Shepard Horizon, merci pour les 2 ans. Merci aussi à Akma pour le raid. Merci Wolf. Pour les 7 mois, Tomoul, Roxink, Monsieur Satch, Sokir, merci pour les 3 mois, Bunny Bloodix, pour les 89 mois, merci beaucoup. Merci AEG Albatros, Nomara, Rediro TV, Bad Boy TV, Hippolus, Endairon, merci Nechos, Gallifrey Tom Wolf, Luf Sanzor, Spassou, Killer, Skelradat, Oxido, Icarian, merci Dragonir aussi, Sub R1,
Pi23 Fogo, Spartan pour l'année de sub aussi. Drift pour les 10 mois, Nani, Luxus Draer, Cyclone et Night Shadow, ainsi que Draki TV, merci pour les 53 mois. Notric pour les 7 mois, Lui Bru aussi pour les 18 mois, et merci Wilfried Style pour les 2 mois de soutien. Merci beaucoup. Je vous laisse ici, les amis. C'était un plaisir aujourd'hui, je me suis bien régalé. Très très cool comme stream. On se retrouve du coup demain pour le prochain live, 20h. Bye bye, bonne nuit à tous.